Le dernier livre de André Glucksmann, après La cuisinière et le mangeur d'hommes, c'était Les maîtres penseurs, va encore plus loin dans la contestation des fondements du savoir, de la pensée occidentale. Non seulement Glucksmann remet ici en question son engagement à l'extrême gauche de la scène politique, en en dénonçant toutes les ambiguïtés, mais il analyse en quoi consiste la quintessence de tout pouvoir. C'est une essence qui peut se résumer par la formule suivante « je sais, donc je peux ». Autrement dit, savoir égale pouvoir et peut-être vouloir dominer. Voilà ce qu'écrivait une étudiante il y a quelques années, André Glucksmann, au moment de la sortie de votre livre, c'était moi-même, en Hippocagne. Et au fond, lorsqu'on lit ces lignes, on s'aperçoit qu'en dehors du souvenir subjectif qu'elle représente, elle se situe au cœur de votre pensée, une pensée qui est à la fois une dénonciation de ce que peut être une certaine philosophie, en particulier une philosophie occidentale. Et si on va plus loin, on peut dire que cette pensée a affaire avec quelque chose qui serait de l'ordre de la guerre. En effet, lorsqu'on regarde votre œuvre, on s'aperçoit que le premier livre qui date de 67, c'était Le discours de la guerre, et le dernier qui vient de paraître, De Gaulle, où es-tu, parle encore de la guerre. Alors, est-ce à dire que philosopher, c'est aussi être tout au cœur de cette problématique-là? Vous voyez, le commentaire que vous faites et que vous faisiez surtout en tant que cagneuse est un commentaire un peu foucalien. Et en même temps, je le reconnais comme parfaitement juste pour l'époque et peut-être un tout petit peu décalé par rapport à ce que j'ai fait depuis. Ce qu'il y a de commun avec Foucault, c'est l'attention portée aux choses justement qui ne paraissent pas philosophiques. Foucault, c'est l'attention à la prison, à la folie, qui sont par définition les choses que le philosophe veut éviter, même s'il s'y retrouve quelquefois. Il dira toujours que si on le considère comme fou et si on l'emprisonne, ceux qui l'emprisonnent et qui le définissent comme fou ont tort. C'est l'exemple type de Socrate, puisqu'on l'accuse d'immoralité, donc d'irrationalité. Et finalement, il termine pas seulement en prison, mais condamné à mort. Il dira « c'est injuste ». Donc, ce sont les objets qui sont en quelque sorte non philosophiques qui font le souci d'un examen philosophique de la part de Foucault et aussi de moi. Alors, Foucault, c'est les prisons, la maladie, la folie. Moi, c'est la guerre et aussi, d'ailleurs, plus tard, la maladie. Bien. Ça, c'est ce qu'il y a de commun et on pourrait dire, même en précisant, que ce n'est pas anti-philosophique, quoi qu'il paraisse. Parce que si on lit attentivement et Platon et ce que Platon dit de Socrate, on s'aperçoit qu'à un moment, Socrate apostrophe ou se laisse apostropher par un sage, plus sage que lui, tout aussi mythique, qui est le vieux Parménide mis en scène par Platon. Et ce vieux Parménide, qui s'adresse au jeune Socrate, qui est encore un apprenti en philosophie, lui dit au jeune Socrate, « Alors, c'est quoi ta philosophie ?» Socrate dit, « C'est l'idée du beau, non pas les choses belles, mais trouver dans les choses belles ce qui fait leur beauté, à savoir l'idée, l'aspect, la vue, la vision du beau. » Vous savez que « idée », ça vient de « idein », ça veut dire « vue », au fond. Et Parménide dit, le vieux Parménide, qui représente la sagesse achevée de la philosophie mythique, dit, bon, c'est bien. Et l'idée de la rognure, l'idée de la souillure, l'idée de la crasse, en gros, il ne le dit pas, mais enfin, c'est ce qu'entend le lecteur, l'idée de la merde, c'est aussi philosophique, c'est aussi un objet de philosophie. Ah non, dit Socrate. Enfin, Socrate hésite. Et Parménide lui dit, écoute, tu seras philosophe lorsque tu te seras rendu compte que de l'idée du lait, l'idée de la pourriture, l'idée des ongles, l'idée des rognures, l'idée des déjections est aussi une idée philosophique. L'idée du mal. Et l'idée du mal qui est en toi. Bien sûr.
Et moi, j'ai toujours interprété le « connais-toi toi-même » de Socrate comme « connais le mal qui est en toi ». Connais le mal dont tu es capable. Et non pas « identifie-toi au saint, au héros et au juste ». Découvre en toi ta propre inhumanité. J'en étais à Foucault. Foucault a ceci de très philosophique, c'est qu'il s'enquiert philosophiquement d'objets que la philosophie en général semble laisser de côté. Par contre, il y a quand même une différence en ceci que en face du pouvoir, Foucault situe justement des êtres complètement extérieurs. Le cri du fou, la lamentation du prisonnier, la poésie, bien sûr. Et je pense que de bloquer la philosophie classique du côté du pouvoir, ce qu'on pourrait trouver dans mes premiers livres aussi impliqués, est quand même assez faux. C'est-à-dire qu'il y a deux voies dans la philosophie. C'est peut-être là que je diverge d'avec Foucault, c'est-à-dire que, par exemple, les classiques français, je ne les classerai pas irréductiblement dans l'univers de l'enfermement. Quand vous dites les classiques français, vous pensez aux moralistes français que vous aimez beaucoup ? Je pense à Pascal, bien sûr, à La Rochefoucauld, bien sûr, mais aussi à Molière. Molière, ce n'est pas Monsieur Loyal, ce n'est pas l'ordre de Louis XIV s'imposant aux déviants. C'est aussi une critique du roi Soleil. C'est une à travers Jupiter dans Amphitryon. C'est aussi une critique de l'arrivisme de l'époque, l'arrivisme bourgeois, le bourgeois gentilhomme, mais de l'arrivisme idéologique comme le Tartuffe. Donc je crois qu'il y a dans toute grande philosophie, dans toute grande pensée, un double fond. Il y a bien sûr une certaine collusion avec le pouvoir de temps en temps, ou d'autre part une certaine volonté de ne pas désespérer Billancourt, comme aurait dit un héros de Sartre. Et enfin, vous dites d'ailleurs, c'est souvent, vous montrez que la philosophie et la tyrannie ont eu partie liée historiquement. Lorsque vous parlez de Platon et de Denis, lorsque vous parlez également de Hegel, Napoléon, enfin il y a ces couples-là qui sont dans l'histoire. Et en même temps, vous dites qu'il y a un autre langage sous ce langage-là, même chez Platon. Oui, et j'entends pas le langage simplement de la contestation politique, parce que il y a les hegeliens de droite, comme on dit, qui sont partisans du pouvoir établi, ou les hegeliens de gauche qui sont révolutionnaires, c'est-à-dire qui rêvent d'établir un autre pouvoir, qui sont tous les deux des philosophes du pouvoir actuel, du pouvoir passé ou du pouvoir futur. Mais il y a toujours, chez un philosophe qui se respecte, c'est-à-dire qui compte, une deuxième pensée, ce que Platon appelait une deuxième navigation. Et j'ai appris petit à petit à entendre sous la voix du pouvoir, dont les philosophes se font trop souvent l'écho, une deuxième voie, une voie critique. Et c'est celle-là que je leur emprunte. Oui, ce que vous remettez en cause dans votre travail depuis quasiment le début, on peut dire depuis La cuisinière et Le mangeur d'hommes, mais encore plus précisément dans Les maîtres penseurs, c'est le fait que la philosophie se soit instituée en tant que système totalitaire, c'est-à-dire un système clos qui veuille interpréter le monde. Oui, mais alors il faut dire que la philosophie faisant cela et le faisant d'une façon extrêmement dure, extrêmement ferme, c'était ça ma critique de l'idéalisme allemand des maîtres penseurs, c'est-à-dire en gros des philosophes du 19e siècle, pas seulement allemands. En fait, ces philosophes allemands ont exercé une influence fantastique sur l'histoire française. En Allemagne, l'idéologie était philosophante. En France, l'idéologie a toujours été historisante. C'est l'histoire qui est le grand support de l'idéologie en France. D'ailleurs, les mythes de la Révolution, elles sont du niveau de l'école communale, du niveau de toute élection. À chaque élection, on recommence la Révolution française, on identifie un tel à Louis-Philippe, l'autre à Napoléon Bonaparte, le troisième à Jaurès ou à Robespierre ou à Dieu sait qui. On ressort les lumières, le citoyen. Voilà. Donc, nous avons l'idéologie historisante, les Allemands ont l'idéologie philosophante, mais ce sont les philosophes allemands, les maîtres penseurs, comme j'ai dit, du 19e siècle qui ont, en gros, nourrit intellectuellement les historiens français du même siècle. Simplement,
en creusant les philosophes, que ce soit Platon, que ce soit Hegel, que même Marx, qui est quand même par certains côtés philosophe, bien qu'il soit très idéologue, mais enfin le Capital, c'est une œuvre philosophique, beaucoup plus qu'économique d'ailleurs, c'est une réflexion philosophique sur l'argent qui vaut la peine d'être lue aujourd'hui. Je suis anti-marxiste, mais j'aime bien les grands textes philosophants sur des notions aussi importantes que l'argent, et le Capital est un grand texte. Donc, ces philosophes, malgré leur systématisme, malgré tout ce qui va nourrir les idéologies du XXe siècle, ont en plus ce qui appartient en propre à la philosophie, à savoir l'esprit critique, et parfois, et même toujours, mais pas développé nécessairement, l'esprit de résistance. Quand vous dites l'esprit de résistance, est-ce que ça signifie que dans votre démarche à vous, lorsqu'on lit votre œuvre, vous avez en quelque sorte commis un attentat contre vous-même? Enfin, je veux dire par là que, en remettant en question dans La cuisinière et le mangeur d'hommes, dans Le maître penseur, cet héritage qui était en partie le vôtre, c'est sur vous-même que vous réfléchissez, sur votre capacité en vous, à prendre le pouvoir, parce que vous savez, sur ce danger permanent. Oui, mais quand on dit c'est sur vous-même que vous réfléchissez, ça suppose qu'on sache qui est ce vous-même sur lequel on est censé réfléchir. Or, ça, j'ai découvert petit à petit. Et puis, je ne suis pas au bout de mes découvertes. Oui, mais vous-même, à l'époque, c'était tout de même par rapport à une référence historique qui était mai 68. Oh, ma première référence qui s'est prolongée à travers mai 68, mais qui se prolonge encore aujourd'hui, c'était la référence à la résistance. Bon, pour des raisons quasi biographiques et simples à comprendre, j'étais enfant juif de famille étrangère, communiste en France. J'ai perdu mon père quand j'avais 3 ans. J'ai vécu dans un milieu qui a résisté à la fois parce que ma mère, ma sœur aînée, voulait résister, et puis parce que c'était au fond la meilleure chose à faire. Donc ma référence première, c'est évidemment l'opposition entre l'esprit d'aveuglement et de soumission qui a conduit à laisser venir Hitler au pouvoir et à laisser venir l'ombre d'Hitler envahir toute l'Europe, et puis l'esprit de résistance qui, tôt ou tard, fait obstacle à la volonté d'asservir les populations. Alors, c'est à la fois une idée totalement première. Enfin, si j'ai vécu, c'est parce que d'autres ont résisté et m'ont sauvé la vie. Et face à des puissances qui voulaient asservir l'ensemble des humains et qui voulaient ma mort. Oui, d'ailleurs, dans votre dernier livre, De Gaulle, où es-tu, vous faites cette révélation très rapidement, très discrètement, en quelques lignes, mais qui est en même temps foudroyante par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le moment où vous êtes vous-même, à l'âge de 5 ans, enfermé dans un camp et en partance pour un autre camp qui aurait été un camp définitif, celui-là. Et c'est grâce au courage de votre mère, dites-vous, et au courage de quelques gendarmes que vous avez évité le camp d'extermination. Oui, ce que cela m'a appris, c'est évidemment le contraire de ce que le président de la République, François Mitterrand, a déclaré à la télévision. Cela m'a appris que dans toutes circonstances, une résistance est possible et d'autre part plutôt efficace. Que dans les pires moments, le fait de parler, le fait d'avertir, le fait de hurler change une partie des choses. Et qu'il n'y a pas lieu de dire que les circonstances font que tout se confond, que Vichy et Pétain et De Gaulle, tout ça c'est la même chose, que les Français ne pouvaient pas savoir. Si, quand j'étais à 4 ans enfermé au camp de Bourg-Lastic à 25 km de Vichy, le simple gendarme comprenait qu'il y avait de fait quelque chose de tragique dans le destin de ces Juifs rassemblés qu'on allait livrer aux Allemands. Qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait là. Il ne savait pas tous les détails sur les camps de concentration. Ma mère les connaissait parce qu'elle avait fait la résistance anti-hitlérienne en Allemagne entre 30 et 37. Mais le gendarme français de base ne le savait pas. Mais quand on lui disait, il comprenait qu'il y avait
de fait, quelque chose, il ne savait pas exactement quoi, de grave qui se passait, et que ces gens qu'il contribuait à rassembler étaient rassemblés comme du bétail et promis à un destin effroyable, même si on ne pouvait pas en déchiffrer tous les linéaments. Alors, ce qu'un gendarme de base pouvait comprendre, qu'un haut fonctionnaire de 26 ans dans les hauts bureaux de Vichy ne le comprit pas, cela me paraît un tout petit peu abusif. Et quand, soit 50 ans après, le même haut fonctionnaire doué, qui n'a plus 26 ans, mais qui a 50 ans de plus et qui est président de la République, dit qu'il n'y avait rien à comprendre à cette époque et qu'il ne pouvait pas savoir, il se met plus bas que le gendarme de base. Et il déshonore l'ensemble des petites gens qui ont sauvé les deux tiers des Juifs en France. Ça signifie que vous êtes élevé dans un milieu de résistance, dans un milieu communiste, et dans un milieu en même temps qui ne va pas honnir l'Allemagne. Il y a toutes ces composantes à reprendre en cause. C'est peut-être ça le plus important dans ce que vous dites. Ma mère se baladait avec très peu de choses, parce que dans l'illégalité, on ne gardait rien. Mais elle se baladait avec les 9 symphonies de Beethoven. Et vous savez, à l'époque, c'était des disques de 78 tours, c'était assez lourd à porter. Donc quand elle ne transportait pas des armes, elle transportait des symphonies de Beethoven. Il n'y a jamais eu ce dérapage qui, de l'antinazisme, conduirait à l'anti-Bosch ou à la haine ethnique. Ma sœur aînée, qui avait quand même 13 ans de plus que moi, savait l'allemand, puisqu'elle avait été éduquée en Allemagne, en fait, et elle distribuait des tracts aux soldats allemands. C'était quand même, à mon avis, parfaitement fou, parce qu'elle risquait évidemment de se faire prendre des tracts appelant les soldats allemands à la désertion et à la révolte. Elle l'a fait, ce qui prouve qu'il n'y avait aucune haine à l'égard des Allemands en tant qu'Allemands, à l'égard des nazis, oui. Aucune haine à l'égard de l'Allemagne, et ça va vous éviter ce travers de penser qu'il y a un mal absolu, quasi biologique, vous voulez prononcer le mot ethnique, qui serait le lieu de l'Allemagne, et vous allez l'élargir beaucoup plus en disant que ce mal, ce lieu du mal, est en Europe, en Occident et en chacun d'entre nous. Oui, ce que je déteste, c'est l'exotisme dans ces cas-là. Vous savez, on peut prendre des exemples actuels. Quand il y a eu la première attaque du sida, on a expliqué, mais ce n'est pas notre affaire. C'est l'affaire des homosexuels, c'est l'affaire du tiers-monde, c'est l'affaire des marginaux, c'est l'affaire des toxicaux. Ce n'est pas notre affaire. Résultat, les gens les mieux, pour peu qu'ils subissent des transfusions, ont écopé de la chose. Quand éclate la guerre en ex-Yougoslavie, on explique que c'est une tradition balkanique. Ces gens-là aiment la mort, dit notre président de la République. Et puis les spécialistes viennent expliquer que l'Empire ottoman a partagé ces régions avec l'Empire autrichien, catholique et romain, et avec les orthodoxes, et qu'on retrouve les vieilles frontières. Alors bien sûr, ce n'est jamais complètement faux. C'est vrai qu'il y a toujours des traditions autochtones de violence, de crimes, de sauvagerie. Mais il est vrai aussi que les formes modernes, 20e siècle, de violence sont extrêmement contagieuses et se répandent partout. Le Rwanda, ce n'est pas uniquement des tribus Tutsi et Hutu, c'est aussi toute une utilisation de l'idéologie raciste, des magnétophones, de la radio, une mobilisation de style fasciste qui n'a rien à envier finalement à la mobilisation mussolinienne, nazie ou franquiste. Et aidée par la France. Et en l'occurrence, aidée par la France, oui. Qui ne fait pas son autocritique à ce sujet, ce qui m'exaspère, qui me rend honteux un peu. Quand vous dites autocritique, oui. On revient justement à votre travail, parce que là vous dites, j'étais né dans l'esprit de résistance. Moi je vous ai dit référence mai 68, et en même temps qu'il y a la référence mai 68, il y a automatiquement chez vous ce mouvement de connais-toi toi-même, connais tes erreurs.
Mais ça a commencé bien avant mai 68. Je suis entré au Parti communiste d'une façon pas très légale, du point de vue même des statuts du Parti communiste, en trichant un peu sur mon âge. Je crois que j'avais 12 ans ou 13 ans, maximum 13. Et j'en suis sorti à 17 ans parce que je ne supportais pas la répression en Europe de l'Est, en particulier à l'époque Budapest. Et puis je n'acceptais pas non plus la guerre menée en Algérie par la France, la dernière guerre coloniale française que le Parti communiste soutenait pour des raisons X, Y, Z, enfin parce qu'il est toujours du côté de la botte. Donc c'est toujours en pensant contre moi-même que je peux penser. C'est-à-dire qu'il faut penser sur sa pente, mais en la remontant, comme disait, je crois, Gilles. Et à ce moment-là, vous devenez gauchiste. Je sais que vous n'aimez pas le mot. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe au moment de mai 68, qui était aussi un mouvement anti-stalinien. On l'a beaucoup oublié, vous le soulignez. Oui, mais auparavant, je m'intéresse à la philosophie. Je passe mon agrégation. Je rentre au CNRS en traitant des questions stratégiques, c'est-à-dire en proposant un travail qui a été accepté sur l'influence des armes de destruction massive, enfin de la bombe atomique en particulier, sur les structures stratégiques internationales. Là, je travaille en particulier sur les guerres, les dernières guerres coloniales, la guerre du Vietnam. Je lis tous les textes stratégiques américains. J'écris un livre, mon premier livre de philosophie, qui ne me déplaît pas aujourd'hui encore, parce que j'y étudiais de façon stratégique le dernier grand conflit colonial, qui est la guerre du Vietnam. Et j'étais très content en 67 de démontrer d'une façon sèche et objective que les Américains n'avaient pas la partie gagnée. Après tout, à l'époque, tout le monde disait le vainqueur, c'est le plus fort. Et le plus fort, c'est celui qui a le plus d'armes, le plus de techniques, le plus d'argent. Et oui. Apparente. Comme aujourd'hui, les Américains d'ailleurs disent, le vainqueur par définition, c'est l'armée serbe. Alors de fait, l'armée serbe a tous les moyens matériels, mais il y a en face d'elle un esprit de résistance. Et il n'est pas sûr qu'elle gagne, et il n'est surtout pas sûr que la guerre s'arrête sur une victoire actuelle des Serbes. Ça peut être une guerre de 30 ans au milieu de l'Europe. Ce qui est un malheur du XXe siècle, c'est que la plupart des intellectuels se sont refusés à ce travail. Pas les romanciers, par contre. Finalement, de quoi traitent les romans, sinon des stratégies individuelles dans l'affrontement entre un homme et une femme, entre deux hommes, entre deux femmes, entre des familles, et quelquefois entre des nations, entre des classes. Qu'est-ce qui vous a saisi au moment de mai 68, précisément ? Bien... Ce qui m'a le plus saisi, c'est mon ignorance antérieure. Je ne savais pas que les gens qui vivaient comme ils vivent aujourd'hui, c'est-à-dire assez fermés, renfermés, peu souriants, stressés, comme on dit, par les nécessités, les besoins de la vie moderne, étaient capables de générosité, de sourire, de s'arrêter, de stopper un moment, de discuter. Et c'est finalement l'image la plus vraie de mai 68, c'est un rouquin un peu désordonné, mais qui bien sûr dresse le point, parce que c'était un geste complètement classique, un honneur rendu aux ancêtres de la guerre d'Espagne, etc. Oui. Mais ce qu'il y avait de caractéristique dans ce rouquin qui s'appelait Danny Cohn-Bendit, c'était son sourire. Oui, il y avait le sourire de Cohn-Bendit, et il y avait aussi ce don de la parole. Il y avait la parole aussi qui était très importante, oui, et la parole face à des sommités, je pense en particulier à Aragon, par exemple, qui avait soutenu à un moment donné 68, ça n'empêchait pas la parole de s'exprimer. Oui, et alors aujourd'hui, de cette parole, on ne garde que l'aspect expression, dis ce que tu as sur le cœur. C'était plus compliqué. Il s'agissait d'une parole assez historique, assez profonde. Il s'agissait de faire revenir des mémoires qui avaient été bloquées. Lorsque Aragon est venu tout au début mai dans un sit-in devant la Sorbonne,
La Sorbonne était occupée par la police. Les étudiants étaient autour et la police était de nouveau autour des étudiants. Donc les étudiants s'étaient assis, il y avait un rouquin avec un porte-voix, c'était l'étudiant de Nanterre, Daniel Cohn-Bendit. Il venait d'être dénoncé dans l'Humanité comme anarchiste allemand par Georges Marchais lui-même, qui était le numéro 2 à l'époque du Parti communiste. Et Aragon était venu, il dirigeait les lettres françaises, c'était un vieil homme aux cheveux blancs, un grand poète, très honoré, et il venait dire qu'il n'était pas d'accord avec son secrétaire de parti, bien que communiste, et qu'il approuvait les étudiants, qu'il venait apporter son soutien. Et Danny Cohn-Bendit a dit « Oui, écoute, c'est très bien, merci, mais avant d'accepter ton soutien, nous te prions de t'expliquer sur ce que tu as fait, pas aujourd'hui, pas hier, sur ce que tu as fait lorsque tu étais jeune et grand poète, surréaliste, communisant, communiste bientôt, et tu as crié « Oural, Oural » en 1930. « Oural, Oural », c'était aussi « Oural Goulag ». Donc, tu as du sang sur tes cheveux blancs, c'était dit tel quel, c'est quasiment une citation entre guillemets, tu as du sang sur tes cheveux blancs, explique-toi, et puis après, on accepte ton soutien. Et Aragon s'en est allé, sans rien dire, sans piper mot. Capacité de résistance de cette parole ? Capacité surtout d'une parole... Aujourd'hui, André Glucksmann s'entretient avec Marie-Christine Navarro. Deuxième entretien. André Glucksmann, hier, dans la première émission, nous disions que pour pointer la terreur au cœur de notre système, il fallait pointer toute une tradition philosophique allemande. C'était pointer non pas l'autre, ce n'était pas se servir de l'Allemagne comme repoussoir, c'était pointer ce que vous appelez, vous, la capacité de terrorisme de l'Europe. C'est-à-dire le terrorisme n'est pas ailleurs, la capacité de terreur, elle est en nous, en Europe, en Occident. Oui, alors ce que je voulais à l'époque penser, c'était le fond philosophique de l'idéologie et des idéologies les plus massacreuses du XXe siècle. Ça a toujours été mon problème philosophique numéro un, à savoir que les massacres ne se faisaient pas sans philosophie ou sans idée. Il y a là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur et pour qu'on lise Solzhenitsyn, sur Solzhenitsyn et son œuvre, pour qu'on pense ce qu'il y a dedans et pour qu'on le lise d'abord. Et Solzhenitsyn fait une remarque très simple, évidente, mais assez rarement prise tout à fait au sérieux. Il dit, prenons un criminel ordinaire. Bon, vous avez Landru, vous avez un massacreur de quartier, ça fait 10 morts. Quand il en est à 20, c'est un miracle, on en parlera pendant un siècle. Prenez maintenant les massacres du XXe siècle, les massacres idéologiques. Là, c'est tout à fait différent, on compte en millions. Quelle est la différence? Eh bien, la différence tient au fait que Staline, Hitler et bien d'autres disposent d'un multiplicateur qui permet de multiplier les cadavres, de mobiliser des millions d'hommes pour en tuer d'autres millions. Et ce multiplicateur, c'est, dit Solzhenitsyn, l'idéologie. Il n'y aurait pas eu Hitler s'il n'y avait pas eu une idéologie nazie, et si cette idéologie nazie n'avait pas été préparée par une idéologie nationale conservatrice, qu'ont produite d'ailleurs des gens qui n'étaient pas nazis eux-mêmes.
Alors, tout de suite, juste avant, dans les années 20, c'est Jünger, c'est Heidegger, avant même qu'il fût nazi, c'est Ernst von Salomon, tous des écrivains tout à fait estimables et importants. Mais avant, c'est Wagner, enfin l'idéologie de Wagner. C'est aussi une partie de Nietzsche dont se réclamera Hitler, évidemment, d'une façon assez sélective. Parce qu'il y aurait aussi de l'anti-hitlérisme sioniste, évidemment. Mais c'est aussi Marx, c'est aussi les grands philosophes, c'est aussi Fichte. Donc, il y a un multiplicateur idéologique qui lui-même s'appuie sur un fond philosophique. Pas de Staline sans l'existence d'un marxisme, pas de marxisme sans Marx. Ça ne veut pas dire que Marx soit Staline, ça ne veut même pas dire que Marx ait fabriqué Staline, ça veut dire que Staline s'est servi de Marx et que Marx ne s'est pas rendu inutilisable par Staline. Vous dites qu'au fond, cette terreur qui est là en nous, dans notre tradition, dans la pensée européenne, elle va influencer ce que vous appelez le tiers-monde, c'est-à-dire qu'elle va influencer ces fameuses luttes de libération qui vont se faire contre l'Occident, contre le modèle européen, mais au fond, en se réappropriant des traditions qui viennent de l'Europe. Oui, un lecteur de Malraux découvrirait ça sans avoir besoin de me lire. Il s'agit de réfléchir sur ce fait que les plus grandes révolutions anti-occidentales ont toujours été nourris de l'idéologie créée en Occident. Au fond, le marxisme s'est répandu comme une traînée de poudre, quand même, c'est absolument effarant de penser qu'un ensemble d'idées discutées par les hegeliens de gauche dans les cafés berlinois dans les années 1840, en 1940, a complètement envahi la planète. Or, le marxisme s'est répandu pourquoi et comment ? C'est que c'est une science de la guerre étrangère et de la guerre civile. C'est une science de la mobilisation des masses. Et là, le marxisme, pendant un bon demi-siècle, a révolutionné la planète parce qu'il apparaissait comme l'art et la manière de conduire les peuples avec un certain idéal d'émancipation. Donc c'est l'art de la guerre révolutionnaire qui fait la force du marxisme et qui explique sa diffusion à travers toute la planète. Au fond, quand le marxisme enseigne l'histoire, quand le marxisme enseigne l'économie, quand le marxisme enseigne le matérialisme dialectique, il n'enseigne qu'une chose, c'est la guerre partout, la guerre dans les idées, la guerre dans l'économie, ça s'appelle la lutte des classes, et la guerre entre oppresseurs et opprimés, entre peuples des campagnes, peuples des villes. Bref, la guerre est toujours la guerre. Et ce qu'on appelait à l'époque la guerre totale. Mais la guerre totale, c'est assez drôle d'ailleurs de voir l'origine linguistique du terme. Étrangement, la guerre totale, c'est toujours la guerre que fait l'autre. C'est Daudet en France qui estime que c'est l'Allemagne qui fait la guerre totale en 1914-18. Léline estime la même chose. Il pense que Ludendorff, l'état-major allemand qui a mobilisé, mais comparé à ce qui se passera par la suite, il a mobilisé assez partiellement l'économie allemande, a pratiqué la guerre totale, c'est-à-dire la dictature de l'état-major sur l'ensemble de l'économie allemande. C'est faux. C'est un fantasme des adversaires de l'Allemagne ou de ses admirateurs. En l'occurrence, chez Léline, c'est plutôt d'admiration. Chez Daudet, c'est de l'adversité. Ce qu'il y a de très drôle, dans un certain sens, enfin relativement comique, c'est que Ludendorff pense la même chose des autres. Il pense que c'est la France qui a mené la guerre intégrale, la guerre totale, contre l'Allemagne. Donc c'est à chaque fois l'autre qui mène la guerre totale. Mais le problème, c'est que contre l'autre qui mène la guerre totale, nous en concluons que c'est nous qui devons mener une autre guerre totale. C'est-à-dire que Lénine dit « l'impérialisme allemand a su mobiliser l'économie pour son effort de guerre, nous, révolution soviétique, nous ferons la même chose. Donc nous allons établir une dictature économique ». Et Trotsky d'ailleurs appuiera et dira « les syndicats, c'est l'armée du travail ». Et il faut une discipline d'armée pour les ouvriers.
évidemment, Hitler enfilera le même refrain, et ainsi de suite. Quand la guerre en Yougoslavie a éclaté, les intellectuels, enfin moi, j'ai été aspergé de brochures serbes expliquant que les Croates se conduisaient extrêmement mal. Alors, les Croates n'avaient rien fait en 1990, mais ils avaient fait en 1945, donc en 44-43, puisqu'il y avait un régime fasciste en Croatie qui a ouvert des camps de concentration qui n'avaient rien à envier aux camps nazis. Et donc, ils nous présentaient, les Serbes, des cahiers de propagande avec des photos sur papier glacé qui étaient en fait des reproductions des photos de 1945 lorsqu'on a ouvert les camps. Et puisque les Croates se conduisaient de telle façon, il était évident pour les Serbes qu'ils allaient se conduire de façon tout aussi efficace, c'est-à-dire qu'ils ont lancé la purification ethnique. Oui, et vous faites la distinction dans vos derniers livres, et en particulier dans le tout dernier, dans De Gaulle, Où es-tu, entre guerre totale et guerre totalitaire. Au fond, vous dites, nous sommes passés du règne de la guerre totale à ce qui risque d'être une guerre totalitaire un peu partout. Alors là, on quitte la philosophie pour aller vers la Serbie, c'est la Serbie qui me fait penser. Non, pour aller aussi dans l'analyse des guerres du XXe siècle qui sont d'une importance philosophique extrême puisqu'elles mettent en jeu l'existence même de l'humanité. Au fond, la guerre était totale, en fait, beaucoup plus par l'extermination voulue complète ou l'asservissement voulu définitif de l'ennemi. Les guerres du XIXe siècle étaient des guerres d'armée à armée, de nation à nation, et les nations subsistaient même si les armées étaient défaites. Et les populations étaient certainement touchées, mais pas visées d'abord. À partir de Guernica, à partir des guerres fascistes, et à partir des révolutions communistes, ce sont les populations qui sont la première cible, car il s'agit de désorganiser les populations de telle façon que même si l'armée existe, elle n'est plus d'arrière. Et cette façon-là de viser d'abord l'ensemble des populations, de viser les civils, c'est à mon avis la vérité des guerres totalitaires. Elles sont totales du côté de la victime qui se trouve soit exterminée totalement, soit asservie totalement. Ce sont des guerres esclavagistes. Oui, vous dites qu'il y a une nouvelle figure de guerrier en cette fin du XXe siècle. C'est ce guerrier à la fois fasciste et totalitaire, comme on le voit en Serbie. Et vous soulignez qu'en Serbie, ce mouvement avait eu lieu bien avant et des idéologues avaient écrit sur ce qu'ils allaient faire 30 ans après, au fond. Oui, c'est ce qu'il y a peut-être de difficile à comprendre pour l'observateur innocent, c'est qu'il y a deux choses. Il y a un vivier d'individus qui ne sont pas spécialement des intellectuels, qui n'ont pas lu des livres, mais qui trouvent tout à fait normal et naturel qu'étant eux-mêmes dans la panade, étant eux-mêmes adolescents, eh bien, ils prennent les moyens les plus efficaces pour trouver du travail, trouver une ou plusieurs femmes, trouver un logement et trouver une profession. Et le moyen le plus efficace dans le tiers-monde depuis 1945 et en Europe actuellement depuis la chute du mur, le moyen le plus efficace, c'est de prendre une mitraillette plutôt qu'un marteau, plutôt qu'une faucille, donc pas d'être ouvrier ou pas d'être paysan, mais de se faire militaire d'une façon ou milicien, c'est-à-dire de s'armer. Alors ça, c'est vrai, matériellement parlant, sur toute la planète. C'est vrai à Mogadiscio, c'est vrai dans le Liberia, c'est vrai pour les jeunes chômeurs algériens, c'est vrai pour les jeunes gens en Serbie, dans les milices qui dépeuplent, qui purifient ethniquement. Cela est vrai aussi en Russie, d'ailleurs. Et cela est plus vrai au XXe siècle qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'avant, les sociétés traditionnelles avaient ce problème. Le jeune adolescent guerrier fait toujours problème dans toutes les sociétés. Mais dans les sociétés non écrites, il y a la case des guerriers, il y a une sorte d'éducation mythologique et rituelle des jeunes gens pour les amener à l'âge adulte, tout en leur passant leur
goût de la bagarre. Alors, ils sont des jeunes chasseurs, ils ont une case spéciale. Des rituels de passage, oui. Oui, et puis ils sont un peu éduqués en lisière de village, etc., etc. Il y a toute une païdéia, culture, éducation, discipline chez les Grecs, pour les jeunes gens. C'est pas exactement la même éducation à Athènes et à Sparte, mais il y a toujours ce problème du jeune homme qui a la force, qui a la vigueur, qui a le pouvoir. C'est la deuxième fonction chez Dumézil, c'est la fonction guerrière. Et il y a un vrai problème qui est traité par toutes les sociétés, car toute civilisation, d'une part, est habitée par la violence, et d'autre part, prohibe les formes les plus extrêmes de cette violence. Elle a ses guerriers, et elle a besoin d'avoir des guerriers pour se défendre, mais d'autre part, elle a besoin de limiter qu'elle les contienne. Pouvoir. Exactement. Donc, ça, c'est le travail de toute civilisation. De même qu'il y a la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire obligation pour chaque famille d'extraire des jeunes gens et des jeunes filles pour les échanger avec d'autres familles. De même, il y a dans chaque société, dans chaque civilisation, qu'elle soit écrite ou non écrite, religieuse ou mythologique, il y a la nécessité de maîtriser la violence, donc d'en prohiber un certain nombre de formes extrêmes. En tout cas, ces formes extrêmes quand elles sont dirigées contre la société elle-même. Rite de passage, rite d'initiation, etc. Or, ce qui se passe avec la détérioration des sociétés traditionnelles, avec l'extension des Lumières, l'extension de la civilisation européenne, qui démolit inévitablement les traditions, les us et les coutumes à travers toute la planète, il y a la libération de ces jeunes gens qui ne sont plus tenus par les traditions et qui ne sont pas non plus tenus par une éducation de style universitaire, comme en France ou dans les pays nantis. Et qui sont soutenus par des théoriciens. Alors, ça, c'est le deuxième aspect. Voilà. Si vous avez le premier aspect, c'est le vivier général qui ne naît pas du hasard, qui naît de l'extension de la civilisation européenne sur la planète entière, laquelle démolit incontestablement les us et les coutumes anciens. Alors, évidemment, ça pose exactement le même problème que celui qui était posé à Athènes. À Athènes est la première cité moderne et occidentale. Elle brise avec la tradition et il se trouve qu'il y a là des jeunes gens qui sont déchaînés au sens propre du terme, c'est-à-dire qui ne portent plus les chaînes de la tradition et qui n'ont pas encore une discipline qui sera celle de la cité moderne. Et alors, ces jeunes gens, déjà à Athènes, mais encore plus aujourd'hui, sont en proie à tout un tas de gens qui sont des intellectuels, on disait des sophistes à Athènes, et qui leur proposent diverses théories. Et quelquefois, et souvent, des théories assez démagogiques, c'est-à-dire des théories qui les flattent et qui prétendent leur donner le pouvoir. Et c'est le cas, évidemment, aujourd'hui. Alors, vous prenez l'exemple des jeunes Serbes. Dobrika Kocic, en particulier. Voilà, ben, Kocic, c'est très difficile à prononcer, mais c'est le monsieur que personne ne lit en France, que le Quai d'Orsay n'a pas jugé bon de feuilleter, que Juppé ignore, que Mitterrand ignore. C'était quand même le président, pendant 2 ans, de la République qui faisait la guerre dans toute la Yougoslavie, qui s'appelle la République serbo-monténégrine. Il était président de la République. On n'a pas jugé nécessaire de le lire. Maintenant, vu les petites histoires d'appareil, il vit à la retraite, mais c'est quand même la conscience qui est derrière Milosevic, comme elle est derrière Karadzic. Bon, enfin, je n'entre pas dans les détails, c'est le conseiller idéologique, philosophique même. Il a écrit au moins 4000 pages qui sont traduites en français, qu'on pourrait lire, que j'étudie dans mon livre. Pour être bref, en 68, c'est un permanent du parti, un Ponte, qui avait été commissaire politique très jeune à la fin de la guerre contre les Allemands, qui est monté dans la hiérarchie, et qui en 68 voit les manifestations étudiantes qui existent à Belgrade comme elles existent à Paris, et qui comprend, très intelligemment, que c'en est fini avec le pouvoir traditionnel, avec le marxisme, même le marxisme de Tito, qui était plutôt plus moderne que les autres, que c'en est fini, que ça ne va pas durer longtemps, qu'il faut trouver autre chose. Alors, après mai 68, il y avait 2 voies, en gros, je m'en suis rendu compte très tard, mais enfin, il y avait quand même 2 voies, celle de la démocratie, être démocrate, par anti-marxisme, mais aussi parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime
Enfin, c'était l'esprit de contestation. L'autre voie, c'est la voie du terrorisme. Et celle qu'emploie Chochit, c'est la voie du rétablissement du pouvoir par une guerre terroriste, en tout cas par une mobilisation terroriste. Alors, on ne mobilise jamais directement en disant « soyons terroristes ». On dit « c'est les autres ». C'est les autres qui sont terroristes et nous, nous allons simplement résister. Mais les autres, c'est qui? C'était les Albanais du Kosovo qui n'ont jamais eu une arme entre les mains, qui avaient simplement le malheur d'être 90% de la population au Kosovo. Et donc, les Serbes estimaient qu'on leur volait leur territoire. C'était toutes les autres populations de l'ex-Yougoslavie. Et Čočić a commencé à créer un mythe. Le mythe d'une... Grande Serbie. Oui, le mythe d'une Grande Serbie, mais en fait le mythe d'une pureté serbe qui serait attaquée, violée, menacée de génocide culturel par l'ensemble des autres populations de l'ex-Yougoslavie. En fait, l'appareil communiste était essentiellement serbe. Il allait perdre le pouvoir et cela apparaissait aux potentats du pouvoir comme un viol. Et Čočić a créé une sorte de mythe d'une Serbie qui est toujours pure, toujours victorieuse en état de guerre, toujours perdue et perdante en état de paix. Il y aurait comme ça une sorte de volonté et d'histoire de la Serbie qui serait l'histoire d'une seule guerre, depuis la bataille... Oui, mais la bataille du Kosovo, qui est de 1389, les Serbes l'ont perdue contre les Ottomans, ce que c'était les Serbes d'ailleurs, enfin, faut voir. Bref, elle a été perdue contre les Ottomans, mais elle a été gagnée dans la mythologie parce qu'il y a un conte et légende du style Roland à Roncevaux. Et depuis ce temps-là, les Serbes auraient mené cette guerre, d'une façon secrète, puisque personne ne s'en était aperçu, pas même eux-mêmes, mais d'une façon quand même, puisque elle renaît en 14. Alors là, les Serbes gagnent la guerre, mais perdent la paix à cause des Occidentaux, qui leur imposent la Yougoslavie au traité de Versailles. Et puis, une nouvelle fois, les Serbes gagnent la guerre de 40, puisqu'ils sont du bon côté, mais ils perdent la paix à cause, cette fois-ci, de la Russie, des communistes, qui de nouveau leur impose de diriger la Yougoslavie. Et les Serbes donc vont continuer la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale pour une troisième guerre, qu'ils sont d'ailleurs en train de mener, mais qui avait été prévue, pensée, préfabriquée par Čočić. C'est une troisième guerre à la fois nationale et révolutionnaire, qui a ceci comme caractéristique que cette fois-ci, on joue le tout pour le tout, c'est-à-dire qu'on réduit tous les opposants soit à l'état d'expulsé, c'est-à-dire qu'il n'en est plus question, soit à l'état de cadavre, soit à l'état de serve. Et c'est donc une guerre totale par ses enjeux, par son objectif. Il s'agit pour la Serbie d'atteindre à la pureté de sa mission essentielle. Nous sommes un peuple de guerriers, dit Čočić lui-même. Mais dans ce cadre-là, dans ce contexte, quel serait, selon vous, notre esprit de résistance à nous? Eh bien, ce serait de protéger la veuve et l'orphelin, d'instaurer au cœur de l'Europe les règles de la civilité, de l'urbanité européenne, et finalement de protéger ce qui est le berceau de notre civilisation, à savoir les villes. Vous savez, je crois que l'Occident, c'est d'abord l'existence dans les villes. Alors, en ce sens, l'existence bourgeoise, mais le bourgeois, c'est pas l'exploiteur du peuple, c'est l'homme qui habite le bourg, c'est-à-dire finalement l'homme des villes. Et dans les villes, dès le début, prenez Athènes, une ville occidentale, c'est un méli-mélo d'opinions, de sentiments, de peuples d'origines diverses qui arrivent à s'entendre à partir d'un certain nombre d'exigences. Et ces exigences, c'est précisément ce que les fondamentalistes, qu'ils soient religieux, idéologiques ou ethniques, les fondamentalistes ne respectent pas ces exigences. Fondamentalement, au XXe siècle, il y a toujours dans tout fascisme
la volonté d'asservir les autres, c'est-à-dire de ne pas respecter la liberté du citadin, du citoyen, du bourgeois au sens étymologique du terme. Mais nous ne le faisons pas. Cet esprit de résistance auquel vous faites allusion, il y a eu des manifestations, vous y avez participé, mais en tant que, disons, responsable politique, les politiques ne prennent pas cette responsabilité. Parce qu'ils ne voient pas que ce qui est en cause, ce n'est pas uniquement les bons sentiments attribués aux intellectuels contre la rationalité et le réalisme que les politiques s'attribuent assez facilement. Ce que les politiques ne voient pas, ce sont des notions extrêmement réalistes, des enjeux extrêmement concrets, qui est simplement l'existence en ville. Ce que le fondamentalisme veut éliminer, c'est la liberté du citadin. Les villes sont de plus en plus atteintes. L'ancien maire de Belgrade, un ancien communiste, a vu ses collègues en train de démolir Vukovar. Tout au début de la guerre, il a dit « Ce qui se passe là, c'est une chose qui va atteindre les autres villes de l'ex-Yougoslavie. C'est un urbanicide. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une attaque fondamentale contre la civilisation et les libertés citadines. Je crois que, d'une part, ça explique ce qui s'est passé tout au long du XXe siècle. La marche sur Berlin, la marche sur Rome, c'est une marche contre les capitales, contre les lumières de la capitale. Et d'autre part, ça explique aussi ce que l'avenir nous réserve, car si nous laissons faire, ce sont toutes les villes qui sont condamnées. Et si on les laisse être exterminées les unes après les autres, c'est toute la civilisation. Dans ces différences, qui disparaît, qui est condamnée. L'Occident invente la liberté des villes, la culture des villes, la pluralité des villes, et puis s'effraie de sa propre invention. Et le thème de la tragédie grecque, c'est déjà en quelque sorte l'endogamie, l'endomanie. La ville tragique par excellence, la ville d'Œdipe, Thèbes, c'est une ville qui est construite avec des murs, qui s'enferme sur elle-même, et où les gens, en tout cas les potentats, la famille royale, se marient entre eux. L'histoire de l'inceste d'Œdipe, c'est pas du tout le jeune ambitieux qui veut coucher avec sa mère, comme on l'expliquera au XIXe et au XXe siècle, c'est pas du tout ça. C'est l'histoire d'une ville qui est fondée par la déesse Harmonie, le mariage de la déesse Harmonie et d'un guerrier d'ailleurs, et qui veut vivre dans l'harmonie la plus totale. Et comment vivre dans l'harmonie la plus totale? Sinon, justement, en refusant l'échange, l'alliance avec l'étranger, c'est-à-dire en se mariant entre nous. Je préfère ma sœur à ma cousine à ma voisine, c'est une phrase. On connaît cette phrase. Oui, que Le Pen a sortie, mais qui aurait pu orner le fronton de Thèbes et qui explique le côté tragique de Thèbes. S'il y a la peste à Thèbes, c'est parce que Thèbes a voulu s'enfermer sur elle-même, c'est-à-dire nier son caractère de ville ouverte, de ville plurale, de ville d'alliance. Et il y a Platon, qui cette fois-ci le dit à juste titre, vous voyez qu'il y a un beau côté de Platon, Platon qui dit « Une ville qui s'enferme sur elle-même pourrit sur pied ». C'est ça l'histoire de Thèbes, c'est ça l'histoire des intégrismes, et c'est pour cela que l'Occident est à la fois vecteur de liberté, porteur de liberté, c'est la ville dans sa vérité, ville ouverte, et puis effrayé par cette liberté, angoissé. À voix nue. Aujourd'hui, André Glucksmann s'entretient avec Marie-Christine Navarro. Troisième entretien. André Glucksmann, au début de cette troisième émission, peut-être qu'on peut faire un rappel de certains ouvrages qui me tiennent particulièrement à cœur et dont on va parler.
au cours de cette semaine, de cette seconde partie de semaine. Je voulais rappeler effectivement le livre que vous aviez fait avec Thierry Volton et qui est « Silence, on tue » en 1986. On en reparlera puisqu'il il analyse les méfaits et les bienfaits de l'action humanitaire, entre autres choses. Le 11e commandement en 1991, qui est très important puisqu'il analyse, lui, l'inhumanité que nous portons chacun en nous-mêmes, la déraison première du monde, finalement. La fêlure du monde en 1994, où vous analysiez d'une manière extrêmement détaillée ce qui a été en France le scandale du sang contaminé. On en reparlera. Et puis le tout dernier, on commencera par le tout dernier, De Gaulle, où es-tu, qui vient de sortir, et où vous parlez du général De Gaulle, mais plus généralement de la façon dont on peut, en cette fin de siècle, penser la guerre et la paix dans le monde, et en France, et le rôle de la France par rapport à cette guerre et cette paix dans le monde. Alors, je me souviens que hier on a évoqué, au passage, lorsque nous parlions de la guerre, du fait que la France avait eu, à un moment donné, aux alentours des années 70, deux choix. Il y avait deux voies qui se présentaient à elle, en particulier dans les groupes de réflexion gauchistes, révolutionnaires. Une voie qui était la voie du terrorisme, qui a triomphé d'ailleurs un moment en Allemagne ou en Italie, et une voie démocratique. Alors j'avais envie de vous demander pourquoi est-ce que le terrorisme n'avait pas pu triompher en France ? Il y a quelques confessions de révolutionnaires plus militaires que moi, c'est-à-dire de gens qui ont fondé des groupes qui auraient pu déboucher sur une violence sanglante du style de la bande à Badère ou des brigades rouges en Italie. Et ce qu'ils disent, c'est que, au fond, si en France, il n'y a pas eu cette grande vague de terrorisme suivant le mouvement de 68, c'est parce que les gens qui auraient pu être terroristes étaient eux-mêmes des anciens cagneux ou hypocagneux, et qu'ils avaient finalement plus le goût du stylo que de la mitraillette. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'ils étaient formés à la culture française, qu'ils avaient fait des lectures, Pascal, La Rochefoucauld, mais aussi Platon, et qu'ils ne prenaient pas pour argent comptant les délires guerriers. Il y a là quelque chose qui relève à la fois de la culture et plus précisément de l'exception française en matière politique. Peut-être que l'événement fondamental pour un jeune Français, c'est quelque chose qui s'appelle la nuit de la Saint-Barthélemy, très étrangement, qui se situe en 1572, ce qui nous remonte loin, mais qui est l'événement fondateur de la renaissance de l'État français. François Ier, qui avait une sœur extrêmement humaniste, Marguerite de Navarre, n'en a pas moins versé dans une certaine intolérance. Il a même voulu interdire l'imprimerie, il y a peut-être réussi pendant 3 ans. Et très rapidement, la France s'est partagée entre un parti protestant et un parti catholique. Les catholiques étant appuyés et par Rome et par l'Espagne, les protestants par tout le nord de l'Europe. Et l'État a failli véritablement sombrer, le moment le pire étant celui de la nuit de la Saint-Barthélemy, où Paris s'entre-déchirait, où les 3/4 de la population parisienne exterminait le quart restant, et en particulier tous les protestants venus pour le mariage de Henri IV, enfin du futur Henri IV. Futur Henri IV. Oui. Bon, et ce qu'il y a d'assez remarquable, c'est que la France s'en est sortie. J'y ai souvent, longtemps, repensé, en particulier à la lumière des événements du Liban, par exemple, ou des événements actuels de l'Algérie, pour remarquer que ce qui manque au Liban est ce qui apparaît peut-être par contre en Algérie, c'est ce qu'on a appelé en France le parti des politiques. L'idée que Paris vaut bien une messe, cela signifie que l'État français sera fondamentalement laïque, que chacun aura son idée de la messe, mais n'en tirera pas la conséquence qu'il faut l'imposer à autrui en l'égorgeant si besoin est. Dites-vous qu'aujourd'hui, un des lieux où la guerre mondiale numéro 3 peut
éclater d'une façon tellement définitive qu'elle en signifierait la fin de l'humanité, c'est Jérusalem. Et que l'adage « Paris vaut bien une messe » peut se traduire à Jérusalem par « Jérusalem vaut bien trois messes ». Oui, c'est pour cela que le XVIe siècle français vous tient si à cœur, en particulier bon, Rabelais bien sûr, les Essais de Montaigne, plus tard Pascal, parce que ces moralistes-là, au vu de cette guerre sanglante de la Saint-Barthélemy, ont su analyser la noirceur au cœur de l'homme. Oui, et il ne faut pas penser que cette noirceur est anachronique, qu'il s'agit, comme on dit, de guerre de religion, c'est-à-dire d'individus encore très très moyenâgeux qui prendraient, enfin qui barbares, oui. Oui, barbares, qui véhiculeraient un fanatisme d'un autre âge. Il ne s'agit pas de ça et on s'en rend assez bien compte au journal de 20h sur quelques chaînes qu'on préfère. Ce dont il s'agit, c'est des premières guerres politiques. Le fanatisme religieux est en fait ce que Montaigne appelle une folie grammairienne, c'est-à-dire une certaine manière de brandir un texte considéré comme sacré, mais peu importe que ce soit la Bible, plus tard ça sera le Capital, ça peut être le Coran, ça peut être les évangiles, je pense au fascisme noir en Espagne sous Franco, je pense au fascisme rouge sous Staline, je pense au fascisme vert qui risque d'emporter aujourd'hui l'Algérie. Peu importe le texte, c'est la manière de le brandir. La sacralisation du texte. Oui, c'est même plus qu'une sacralisation, c'est ce que un doctrinaire allemand, qui est un des parrains de Hitler, a appelé le théologico-politique. C'est mélanger Dieu et César. Et le mélanger avec tous les moyens de la modernité. Alors, les moyens de la modernité se différencient au cours des âges, mais ils sont quand même intrinsèquement les mêmes. C'est l'imprimerie au temps de François Ier et de Montaigne et de Henri IV. C'est la bande magnétophone. Les cassettes au temps de Khomeini. Mais c'est tout aussi efficace et aujourd'hui, oui, en Algérie, il y a une lutte autour de la télévision, par exemple. Les antennes paraboliques sont considérées par les militants du FIS comme diaboliques. C'est un jeu de mots qu'ils se permettent parce qu'ils pensent qu'il y a là une sorte de main de Satan dans la conscience des vrais croyants. Bref, il y a une vraie guerre médiatique. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que la modernité fait un bond en avant en matière de communication à partir de l'imprimerie. Toutes les républiques grecques et encore romaines ne sont pas des républiques où la communication se fait par écrit. Fondamentalement, bien sûr, les lois sont écrites, mais fondamentalement, la communication entre citoyens se fait par la parole. Ce sont des civilisations orales, et vous savez que Aristote dit une cité doit être limitée à peu près à 10 000 citoyens, parce que ces 10 000 citoyens peuvent être réunis sur une place, et quelqu'un qui a une voix de stentor peut se faire entendre des 10 000. Pour en revenir à cette idée de la France qui vous tient à cœur, en particulier dans le tout dernier livre de Gaulle, où es-tu? Pour vous, c'est précisément le sens de l'appel du 18 juin. Qu'est-ce qui se passe dans l'appel du 18 juin? Ce qui se passe là, c'est que tout d'un coup, quelqu'un a une idée de la France qui ne serait pas simplement un territoire. D'ailleurs, vous dites dans territoire, il y a terrifié. Il s'agit d'autre chose. Oui, alors d'une part, De Gaulle ne fait pas l'appel du 18 juin à l'improviste. Il le prépare pendant 20 ans. C'est un homme de culture. Quand il se retrouve tout seul à Londres, il est apparemment général, mais il est très peu général. Il vient d'être nommé général, mais il n'a pas d'armée. Un général sans armée, ça a toujours une couleur un peu ridicule dans la mesure... Oui, cette solitude n'est pas une solitude de général, c'est la solitude, ça je l'ai compris assez tard, mais à travers Solzhenitsyn, c'est la solitude d'un dissident. De quoi est-il armé? Il est armé d'un stylo, il est armé d'un micro, il est armé de sa propre culture, c'est-à-dire de ses lectures, qui lui ont donné une certaine faculté de s'énoncer clairement, distinctement et de façon extrêmement prenante, et d'autre part, une faculté de penser.
derrière cette faculté d'énoncer. Alors on peut trouver ce travail qu'il a accompli sur soi, qui est aussi un travail de rupture avec son propre milieu. Vous savez qu'il était secrétaire et protégé de Pétain, et qu'il a été le porte-plume de Pétain. Donc il a fallu qu'il rompe, longtemps avant d'ailleurs le 18 juin 40, avec son propre milieu, sa propre caste. Il a fallu qu'il pense contre lui-même, contre ses traditions, du moins contre une partie de ses traditions. Et cette façon de penser n'était pas complètement gratuite, ce n'était pas la façon surréaliste de tout brûler ou de tout casser, c'était au contraire une certaine façon de réanimer, revivifier une tradition française qui est celle du XVIe siècle et aussi celle des moralistes, c'est-à-dire de Montaigne à Pascal, et finalement, par certains côtés, aussi à Voltaire. Vous savez que Voltaire brûlait un cierge à chaque anniversaire de la nuit de la Saint-Barthélemy. Je crois que cette capacité d'allumer une bougie en pleine débâcle, ou en plein souvenir de débâcle, c'est cela que De Gaulle a retrouvé le 18 juin 40. Une voix se fait entendre. Oui, mais ce n'est pas uniquement la voix d'un général, et même pas seulement la voix d'un dissident, c'est la voix d'un dissident qui trouve dans sa propre dissidence une légitimation parce qu'il l'enveloppe de tout le passé français. Il dira d'ailleurs que c'est sa seule légitimité. Oui, une certaine idée de la France. Il dit il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. C'est cette capacité de penser qu'au fond, la France est plus que son territoire, plus que son sol, plus que simplement sa démographie, puisque la majorité des Français était largement du côté de Pétain, au moins 80%, et que Pétain avait été investi tout à fait légalement par une assemblée qui, en plus, était une assemblée de gauche. C'était l'assemblée du Front populaire. Seuls 80 députés avaient voté contre Pétain, et parmi ces 80 députés, c'était à la fois des marginaux de gauche et des marginaux de droite. Mais il n'y avait pas les grands partis, il n'y avait pas les grandes confessions, il n'y avait pas les grands corps de l'État. Et De Gaulle a réuni autour de lui des malandrins, en fait, des marginaux, des fils de famille en rupture de banc, des juifs rescapés ou exilés ou émigrés, des espagnols du même tabac. Quelques rares, très rares universitaires, et puis les pêcheurs de Saint qui venaient avec leur bateau, qui était leur seule propriété, les pêcheurs de l'île de Saint, ou bien sur le sol français, des soutiens parmi des mineurs, parmi des cheminots, parmi les étudiants. Les étudiants royalistes se sont mis à manifester avec les étudiants communistes le 11 novembre 40, mais contre leurs directions respectives. C'est pour ça que vous dites qu'au fond, les enjeux d'une élection présidentielle chaque fois en France ne sont pas perçus réellement, c'est-à-dire que chaque fois que l'on élit un président de la République en France, on élit aussi un chef de guerre, qu'il ne faut pas l'oublier, un chef militaire. Oui, on pourrait même dire qu'à chaque fois on l'oublie. En fait, on a voté à 2 mois. On a voté sur un programme de gouvernement, sur un programme de boîte à lettres, sur un programme d'assurance, sur 2 mois, en fait, et pas sur 7 ans. Dans 7 ans, il faudra que la France se situe dans un monde qui est de plus en plus instable, de plus en plus embrasé par des guerres diverses. Dans 7 ans, nous nous demanderons en Europe occidentale si l'Allemagne est véritablement le seul grand pouvoir, la seule grande puissance européenne. L'Allemagne est en train de réussir sa réunification. Elle est en train de préparer un second miracle économique. Elle va être une grande puissance de toute façon. Elle a moins de chômeurs que la France proportionnellement à sa population, bien qu'elle soit en train d'assimiler 16 millions d'Allemands de l'Est et qu'elle accepte, je crois, dans les 2 dernières années, 600 000 réfugiés, en particulier de l'ex-Yougoslavie. Donc, il y a là une capacité et une dynamique que la France ferait bien de trouver, car elle, bien qu'elle n'ait pas le poids de l'Allemagne de l'Est, et vous vous rappelez qu'à l'époque de la fin de la guerre d'Algérie, l'arrivée des pieds noirs avait représenté un poids, mais aussi un dynamisme, mais aussi
une incitation au développement et au renouvellement. L'Allemagne, donc, est en plein essor. La France s'enterre dans son petit monde, s'enferme... Dans ses pantoufles, comme dit De Gaulle. Exactement, dans ses pantoufles, s'enferme dans un monde comme si elle vivait dans une île ou sous un parapluie ou dans une bulle. Et cette façon de s'encoconner dans ses affaires totalement intérieures, de penser qu'entre Français, on peut régler les affaires du monde sans même en parler, sans même les regarder en face... Cette façon-là, c'est une certaine façon de chanter « Tout va très bien, Madame la Marquise », c'est-à-dire de reprendre l'hymne national de 1940, juste avant l'effondrement. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quelquefois la vision, tout à coup, éberluée de ce qui se passe, en fait, à savoir une ville assiégée au cœur de l'Europe, c'est Sarajevo depuis 3 ans, une guerre que nul n'aurait imaginée il y a 5 ans. Une guerre qui dure, avec les purifications ethniques, qui fait autant de morts pour la Bosnie que la guerre de 14-18 pour la France. Enfin, c'est une vraie saignée énorme. C'est la moitié de la population sur les routes, exilée de ses propres foyers où elle vivait depuis des centaines d'années. Parquée dans les camps. Parquée dans les camps, les femmes violées, la purification ethnique, les tortures. Violées systématiquement et violées d'une manière publique devant les enfants et devant. Ce n'est pas des viols qui sont des accidents entre guillemets ça, de guerre. Si vous voulez, on y reviendra parce que les guerres à notre époque ne sont plus des guerres civiles, ce sont des guerres contre les civils. Mais ce ne sont pas les seules horreurs que nous voyons, il y en a d'autres. Il y a une ville rasée de 500 000 habitants, la capitale de la Tchétchénie, Grozny, rasée en trois semaines, sans que personne en Europe occidentale ne fasse entendre de protestations officielles. Et des bombardements intensifs beaucoup plus forts que ceux du Liban. Oui, et puis les trois autres villes qui restent, il y en a une qui ne reste plus, c'est Argoun, qui est à son tour rasée de la même façon, et les deux autres qui vont subir le même sort, sans que les gouvernements démocratiques, humanistes, etc., n'élèvent la voix, alors qu'ils ont le droit, au moins, d'élever la voix. Je ne dis pas qu'on ferme toujours les yeux. Quelquefois, on les écarquille. On est dans un état de somnambulisme. Oui, mais alors avec un double côté, vous avez dit très bien les chaussons, la façon de ne pas voir la politique de l'autruche, mais il y a aussi l'autre, c'est la façon catastrophique de dire « il n'y a rien à faire, c'est trop terrible ». Et cette façon-là de se catastropher, ça a été finalement la façon qu'a eu Pétain d'imposer ou de justifier aux yeux des Français, la capitulation totale. C'est-à-dire que dès que nous découvrons ce que nous ne voulons pas voir, nous sommes tellement peu préparés à le regarder en face que nous en tirons une raison de capituler. Or, ce que nous démontre De Gaulle, c'est que même dans les situations les pires, il y a toujours quelque chose à dire, d'abord, à nommer le danger et nommer l'adversaire, et d'autre part, probablement, quelque chose à faire. Mais est-ce que ça ne signifie pas que la manie de commémoration qu'a eue la France tout au long de ces années septennat de double septennat de Mitterrand, et en particulier commémoration des anniversaires des camps de concentration, d'extermination nazie, précisément oblitère le présent, empêche, sert de voile à ce qui se passe aujourd'hui au cœur de l'Europe. Quand vous dites on laisse tuer les gens, mais c'est plus que ça, on laisse tuer une certaine idée de l'Europe. Oui, moi j'ai été effrayé par la façon qu'avait Mitterrand au début de son premier septennat d'aller poser des fleurs un peu partout dans tous les cimetières et en particulier au Panthéon. C'était une façon de s'identifier, c'était une façon de se draper dans de grands souvenirs, mais c'était aussi une façon de fuir dans de grands souvenirs la réalité. Et il y a une sorte de façon de commémorer qui est de se fermer les yeux sur l'actualité. C'est facile de dire 50 ans après, aux portes de Auschwitz, jamais plus ça. À condition... On trouve ça très facile, à condition d'oublier qu'en 1994, il y a eu un génocide, et je n'emploie pas souvent ce terme, je pense qu'il ne s'applique à aucun des événements historiques depuis Auschwitz, sauf peut-être Cambodge. Au Cambodge, qui est une sorte d'auto-génocide, c'est le peuple qui se détruit lui-même, mais le Rwanda, oui. Il s'agit de l'extermination des Tutsis, bébé au vieillard, et... voulu comme tel, organisé comme tel, et avec malheureusement la participation de la France.
Alors, est-ce à dire, André Guzman, qu'il faille inventer une nouvelle dissuasion? Vous dites une nouvelle dissuasion qui dépasse le cadre binaire. Alors, j'ai envie de vous dire concrètement, quelle dissuasion, comment, vous dites, détruire ce qui détruit, avec le recours à la force éventuellement, qu'est-ce que ça signifie en cette fin de siècle, cette nouvelle dissuasion en Europe et dans le monde, pour nous? D'abord, revenons à l'idée de dissuasion. L'idée de dissuasion, apparemment, c'est simplement la prise en compte d'armes nouvelles et de leurs conséquences. C'est l'arme atomique. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'arme atomique? C'est qu'elle supprime aussi bien les armées que les populations. Et qu'elle est donc radicale, c'est, disait-on, une arme absolue, parce qu'elle peut rayer de la carte un pays et de proche en proche l'humanité. Le deuxième point de cette dissuasion, c'est qu'elle est bilatérale. À partir d'un certain moment, quand les Russes, en l'occurrence l'Union soviétique, acquièrent la capacité, un, d'avoir des bombes atomiques, puis des bombes à hydrogène, et enfin la capacité de les amener, de les lancer par des fusées sur les États-Unis, il y a dissuasion bilatérale. Et on appelle cela la politique du bord de l'abîme, parce que chacun des adversaires, des grands adversaires, on appelle ça les super grands, est capable de la mort de l'autre. Troisième caractéristique, chacun des deux adversaires peut attendre que l'autre frappe. C'est-à-dire qu'il dispose d'une force intitulée de seconde frappe. Il peut se venger, fût-ce post-mortem. Vous savez, par exemple, que les sous-marins nucléaires servent à punir l'agresseur, même si l'agresseur a réussi à rayer de la carte la métropole. C'est l'exemple, par exemple, de la France. C'est pour cela qu'elle est, elle aussi, une puissance nucléaire dont on peut tenir compte, parce qu'elle a une capacité de seconde frappe. Ces trois choses définissent des rapports finalement assez stables, qui s'appelle l'équilibre de la terreur. Est-ce que l'équilibre de la terreur est limité aux quelques puissances nucléaires, ou est-ce que cet équilibre est une certaine façon qu'a l'homme moderne de s'expliquer avec lui-même et d'essayer d'établir une paix fragile, instable, mais paix quand même? Alors je pense que c'est la deuxième solution qui est vraie, qu'il faut passer de la dissuasion nucléaire restreinte à quelques grandes puissances à une dissuasion généralisée qui ne se manifeste pas uniquement avec des armes ou un arsenal nucléaire. Car qu'est-ce que c'est que la dissuasion? C'est la capacité fondamentale de s'entendre au bord de l'abîme. Cet abîme peut être nucléaire, il peut être aussi créé par d'autres dévastations, il peut être même créé à la machette. L'abîme du Rwanda, c'est un abîme de 500 000 personnes exécutées en 5 semaines à coups de machette, ce que les nazis n'avaient même pas réussi à faire à coups de pistolet, puisqu'ils ont été obligés d'inventer les chambres à gaz et les gigantesques usines de mort qui s'appellent Auschwitz. Donc il y a là une capacité d'extermination qui n'est pas simplement nucléaire, qui est de plus en plus démocratisée, qui est proliférante, qui circule partout, et qui est au départ dans les mains de quelques super grands, et puis finalement, petit à petit, dans des mains de plus en plus nombreuses et de plus en plus équitablement réparties sur la planète. Donc la capacité qu'a l'homme de s'entendre avec son prochain, non pas à partir d'un idéal commun, non pas à partir d'un bien commun, mais à partir des mots qu'ils peuvent se faire les uns aux autres, c'est cette capacité-là qui est la capacité de la dissuasion. S'entendre sur le minimum et non pas en vue d'un but aléatoire, vous dites. Oui, c'est pas s'entendre sur le bien, c'est s'entendre contre le mal. Pour cela que les délires qu'ont suscité la chute du mur, à savoir le nouvel ordre du monde, la nouvelle paix, les portes du temple de Janus sont fermées à jamais. C'était l'éditorial du plus grand hebdomadaire allemand, le Spiegel, le 1er janvier 90. J'ai ri aux éclats. Enfin, son directeur, qui est une sorte de conscience pour les Allemands,
une référence disait, mais au fond, depuis Alexandre le Grand jusqu'à Gorbatchev, il y a eu l'époque des guerres, et à partir de Gorbatchev, avec la chute du mur, il y a la paix qui s'ouvre et les portes du temple de la guerre qui se ferment. Bien, ce type de rêve a été très largement partagé lorsque j'ai sorti le 11e commandement pour prendre le contre-pied de cela en 91. Vous avez eu l'obligeance de les citer. Je disais... C'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas se croire très, très humain avec une idée de l'homme que l'Occident pourrait répartir sur le monde entier après s'être accordé sur cette idée en Occident même, ce qui n'est pas le cas. Mais ce dont il faut partir, c'est de notre capacité d'inhumanité. Cette inhumanité dont vous parlez. À voix nue. Aujourd'hui, André Glucksmann s'entretient avec Marie-Christine Navarro. Quatrième entretien. André Glucksmann, depuis Les Maîtres penseurs, au fond, jusqu'à la Fêlure du monde qui était parue l'année dernière, en 1994, vous avez élaboré en même temps qu'une réflexion par rapport au discours et au système philosophique occidental, une autre réflexion parallèle sur le statut du discours scientifique, où vous dites que ce discours scientifique fonctionne de la même façon que le discours des économistes tel qu'on peut le percevoir, par exemple, au XIXe siècle. Et ce discours scientifique, la façon dont il a fonctionné en particulier en Occident et dans notre culture, explique en partie comment est-ce que le scandale du sang contaminé a pu avoir lieu en France et comment, en particulier, le phénomène du sida est si mal perçu également. Dès l'origine de la médecine occidentale, c'est-à-dire l'origine grecque, l'origine hippocratique, vous avez un débat dans les textes attribués à Hippocrate, qui sont en fait des textes venant de différentes sources, qui sont tous signés Hippocrate, mais qui relèvent en fait d'origines diverses. Il y a un texte qui fait débat, qui est le texte sur l'ancienne et la nouvelle médecine. Et il se trouve que ce qu'on appelle la nouvelle médecine, c'est une médecine idéologique. Le texte l'appelle médecine philosophique parce qu'elle s'inspire des philosophes. Et puis, il y a une ancienne médecine que le texte révère, d'ailleurs, dont il se réclame, qui est une médecine apparemment plus positiviste, dira Littré au XIXe siècle lorsqu'il éditera ce texte, plus pragmatique, plus scientifique ou plus lucide, mais qui est en même temps beaucoup plus fondamentale. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est que la nouvelle médecine, la médecine idéologique, part d'une idée de la santé, part d'une idée de l'homme, part d'une idée de l'homme tel qu'il doit être lorsqu'il n'est absolument pas malade, lorsqu'il est en quelque sorte immunisé. Et alors, la norme, c'est la santé, dans ce cas-là. Voilà, la norme, c'est le bien. La norme, c'est se bien porter, être bien dans sa peau, être heureux, etc. Et par déviance, par diminution, on peut en conclure que la maladie, c'est quand on ne se porte pas bien. Hein? Par comparaison avec cette perfection, de la même façon d'ailleurs dont Sartre dit, au fond, la demi-lune, c'est la pleine lune moins quelque chose. Donc il faut d'abord avoir l'idée de la pleine lune pour avoir l'idée de la demi-lune. La vieille médecine dit l'inverse. Elle dit, on peut très bien voir la demi-lune comme demi-lune sans avoir vu la pleine lune. Et donc on peut voir les maladies en tant que maladies sans avoir une idée de la santé absolue, de l'homme parfait, de l'homme qui ne tombe jamais malade, etc. Ça signifie que donc là, être homme dans cette perspective, c'est précisément être malade. Voilà, être susceptible d'être malade, être exposé à la maladie, et c'est ce que disent d'ailleurs
hippocratiques anciens, ils disent l'homme respire et en respirant, il respire des germes de maladie. Donc, il est en permanence exposé à la maladie. Mais il y a plus. Il n'y a pas simplement l'idée du risque, il y a l'idée d'un savoir. Et c'est ça qui est fondamentalement optimiste dans ce pessimisme apparent. Il y a l'idée que l'homme peut penser sa maladie, peut se rendre compte qu'il est malade sans même savoir ce que cela veut dire que d'être en bonne santé. Après tout, vous n'avez pas nécessairement une peau laiteuse et lisse dès l'origine. Vous n'en avez pas besoin pour vous apercevoir que vous avez des boutons. Le bouton parle de tout seul, il existe en tant que bouton. La maladie existe en tant que maladie, même si nous ne savons pas ce qu'est la bonne santé. Donc le mal est une expérience première qui ne parle pas absolument. C'est-à-dire que c'est toute maladie, exemple les fièvres, peut très bien nous tromper, nous abuser, nous emporter l'esprit, nous faire délirer. La fièvre ne rend pas nécessairement lucide. Mais savoir qu'on a la fièvre, c'est quand même un savoir fondamental. Et cette aperception, cette prise directe sur les mots MAUX, les maladies, que ce soit les maladies physiques ou les maladies politiques, c'est précisément ce à partir de quoi un savoir occidental s'instaure. Il ne déduit pas du bien le mal, il prend le mal à bras-le-corps, il le regarde en face, il en part. Oui, malheureusement, notre XXe siècle s'inscrit dans un courant de pensée qui est celui-là positiviste du XIXe siècle, hygiéniste, qui est illustré par la figure de Pasteur, que vous prenez d'ailleurs comme étant le symptôme de ce discours de pleine santé qui va avec le discours de plein emploi d'ailleurs et de pleine paix, c'est-à-dire un triple discours qui est au fond un discours aujourd'hui qui a échoué. Alors ce discours de pleine santé, ce discours hygiéniste à la Pasteur, c'est celui-là qui a permis l'aveuglement par rapport au sida aujourd'hui. Oui, j'ai été sensible au fait que finalement notre aveuglement par rapport au sida ou notre aveuglement politique par rapport aux guerres qui nous éclatent sous le nez était sensiblement de la même facture. Nous disons, quand le sida apparaît, mais au fond, ça ne nous concerne pas. C'est l'affaire des homos, des toxicos, des sous-développés, des chômeurs, de Dieu sait quoi. En tout cas, pas notre affaire à nous, hommes bien portants, et civilisés, et bien établis, et normaux, oui. Nous disons la même chose à propos de la guerre dans les Balkans. C'est l'affaire des balkaniques, des tribus balkaniques. Ça ne nous concerne pas. Nous disons la même chose à propos de l'Algérie. C'est l'affaire de ces sous-développés, du tiers-monde, etc. Donc il y a une sorte de racisme de bien portant qui se proclame immunisé contre toutes les atteintes. Or ça vaut en politique comme ça vaut en médecine. Et je pense que vous avez donné en vrac trois couches qui se sédimentent dans notre bonne conscience. Il y a ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, en tout cas les deux générations qui ont vécu après 45 en Europe occidentale et qui ont supposé qu'elles avaient en quelque sorte comme garantie de ne plus être atteintes par les fléaux antérieurs. J'entends, elles vivaient dans le plein emploi et le chômage était une affaire du passé. Elles vivaient dans la pleine santé, le cancer reculait, c'était le dernier fléau, la tuberculose avait été éradiquée. Donc nous étions à peu près assurés en Europe occidentale de mourir de mort naturelle dans notre lit avec un âge conséquent. Et puis troisièmement, outre le plein emploi et la pleine santé, il y avait la pleine paix. Bien sûr, il y avait des guerres ailleurs, mais elles étaient exotiques et elles ne nous concernaient pas. Et l'Europe s'était assagie, en gros d'ailleurs grâce à la dissuasion entre Washington et Moscou. Bref, l'Europe occidentale était assez irresponsable de la paix qu'elle considérait comme définitive. C'était d'autres qui réglaient ce balai, mais elle était assurée au point que quand la guerre éclate en ex-Yougoslavie, on dit comment est-ce possible, qui eût imaginé. C'est étrangement, ces données-là qui paraissent purement conjoncturelles, sont une certaine façon de vivre en dehors de l'histoire et en dehors de la condition humaine. Il faut se souvenir quand même que l'État, ça se dit en latin et ça s'est continué en français, l'État avait trois grands fléaux qu'il combattait et dont il devait protéger la population. C'était la famine,
Alors, la forme moderne de la famine, c'est le chômage, bien sûr. Le sans-emploi, le sans-abri. Le deuxième fléau contre lequel le souverain doit nous garantir, c'est l'épidémie, ça se dit la peste. Mais la peste, c'est le choléra, c'est la tuberculose, c'est tout ça. C'est le sida aujourd'hui qui est une déclinaison de la peste. Bien sûr. Et le troisième fléau, c'est évidemment la guerre. Et le roi, plus tard l'État républicain, le roi est roi de paix ou roi de guerre parce qu'il garantit contre la guerre que les autres pourraient nous faire. Roi thaumaturge, celui qui guérit par son corps mystique des maladies. Et troisièmement, c'est celui que les dames poissonnières vont chercher à Versailles, la boulangère, le boulanger et le petit mitron, c'est-à-dire le père nourricier, celui qui nous épargne la famine. Et l'État républicain hérite de ces trois fonctions anti-fléaux. Et tout à coup, ces fléaux étaient non pas seulement combattus, ce qui est normal, mais étaient éradiqués. Et nous vivions dans une sorte de bulle à l'abri des maladies génériques. Car qu'est-ce qu'un fléau ? C'est quelque chose qui ne met pas en question simplement un individu et son entourage. Ça met en question la société tout entière, ça la met en état de péril mortel. Alors donc le sida apparaît et lui remet en face de nous ce chaos potentiel que recèle la nature et le corps social. Voilà, le sida a eu la même fonction de nous rappeler à la réalité, en nous paniquant parce que nous n'étions pas prêts à ce rappel, que les guerres ou que le chômage. Alors, on peut revenir un petit peu au fait que vous analysez fort bien de cette fameuse année 1985 et vous soulignez plusieurs éléments. Vous soulignez d'abord qu'en cette année 1985, il y a la question des hémophiles qui sont contaminés avec du sang. On reparlera cette notion de sang en France avec du sang contaminé. Et d'autre part, vous dites que la spécificité française, cette fois-ci, ça sera non seulement les hémophiles qui ont été contaminés, mais tout le nombre de malades qui ont été contaminés après opération, par des transfusions sanguines post-opératoires. Et là, la France détient en Europe le triste record de contamination post-opératoire. Et je crois que c'est là où il y a une réflexion à porter et que vous portez. Oui, il y a quatre scandales, en fait. Celui du sang contaminé, on le connaît, concerne les hémophiles. Il y a avant, entre 80 et 85, l'absence de précautions dans la récolte du sang pour les transfusions. Absence qui fait que la France bat un record comparé, par exemple, à la Suède ou à l'Angleterre, où des précautions de conversation, simplement, avec les donneurs de sang pour repérer les donneurs à risque. Précautions qui ont épargné beaucoup, beaucoup de gens. Enfin, donc, qui ont fait le record, l'absence de précautions a fait le record français. Il y a eu ensuite, après le scandale du sang contaminé, le scandale du non-avertissement de la part des autorités médicales, ministérielles, politiques et même journalistiques, le non-avertissement des gens qui avaient été auparavant transfusés avec un sang douteux, et qui donc continuait à vivre sans le savoir, peut-être infecté, et peut-être, s'ils étaient infectés, infectants. Ça a amené aussi un record français en matière de malades et de séropositifs. Et puis, il y a enfin le problème des toxicos. Il n'y a aucune raison, sinon idéologique, qu'il y ait 3% des toxicomanes à Londres atteint de séropositivité et 30 à 50% à Paris. Sinon, qu'on n'a pas voulu prendre les précautions élémentaires qui s'imposaient, en particulier à protéger les toxicos d'eux-mêmes en leur permettant l'échange de seringues propres et gratuites, en les protégeant aussi contre une pression trop forte de la police qui les amenait à se piquer n'importe où, n'importe comment et dans n'importe quelle circonstance. Donc, dans tous ces cas de figure, la France, en les additionnant, décroche en Europe le record des cas de sida par rapport à la population. Peut-être qu'elle n'est pas loin d'être égalée par l'Espagne et l'Italie, mais il n'y a pas à chanter. Victoire. Non, absolument pas.
Et moi, ça m'a mis en tête que la fameuse rengaine, l'ancienne de la fin des idéologies, était entièrement fausse et complètement stupide. Il n'y a au contraire pas une idéologie, il y a un bouquet d'idéologies qui ont favorisé l'extension du sida. Celle du sang, d'abord. Bah, celle du sang, oui, mais même cette idéologie du sang, elle peut être de droite comme de gauche. Alors, le sang français, c'est le meilleur. Ça pourrait donner un hymne lepéniste. Mais le sang gratuit, le sang donné, le don du sang est meilleur que le sang acheté. Le sang français est supérieur au sang américain. Les Américains doivent prendre des précautions en matière de sida. Pas nous, puisque nous avons le sang donné. Ça, c'est une idéologie en partie de gauche, qui relève de 1945, des efforts de générosité des mineurs et des cheminots qui relevaient les manches, d'une part pour travailler et pour donner du charbon aux Français, ils le faisaient avec un grand cœur, un grand sentiment de solidarité nationale, mais d'autre part, ils relevaient les manches aussi avec tout autant de générosité en donnant leur sang gratuitement pour ceux qui en avaient besoin, les hémophiles, par exemple, les transfusés. Donc, pour la transfusion, tous pour la production. Oui, mais c'était généreux. Absolument. C'est la générosité de gauche, c'est l'esprit de fraternité et de solidarité, ou c'est aussi l'esprit de charité chrétienne. Et donc, vous avez les meilleures intentions qui aboutissent aux pires résultats, les idéologies les plus charmantes qui font mal. Donc, il y a là une sorte d'irresponsabilité fondamentale qui est toujours très idéologique. Alors, il y a l'idéologie du médecin qui ne veut pas admettre qu'il y a des choses qu'il ne sait pas, qu'il ne contrôle pas. Il ne veut pas admettre sa propre faillibilité. Il y a l'idéologie de l'État qui se veut au-delà et au-dessus de toute critique. Après tout, l'État-major de la santé, le ministère de la santé avec les grands corps médicaux, cet état-major a fonctionné exactement comme l'état-major militaire français à l'époque de l'affaire Dreyfus. Il était infaillible, il était au-dessus de toute critique, et le critiquer, c'était au fond mettre en danger la santé française, comme critiquer l'état-major à l'époque de l'affaire Dreyfus, c'était mettre en danger la défense nationale. Donc l'absence de critique à l'égard des états-majors, le sentiment d'infaillibilité qui habite ces états-majors, que ce soit des états-majors civils ou des états-majors militaires, a toujours le même résultat, à savoir une catastrophe. Oui, et d'ailleurs, vous dites quand Bernard Kouchner, en 1992, demande au public de se présenter, aux gens qui ont été transfusés après opération, de faire des tests, il y a très peu de gens qui se présentent, donc aussi irresponsabilité du côté de la population. Absolument, c'est pour ça que dans mon livre qui précédait les élections présidentielles d'hier, de quand même 2 ans, ne prêche pas la haine des élites, parce que je pense que la population a aussi les élites qu'elle mérite. C'est-à-dire que dans la mesure où la population elle-même pêche par irresponsabilité, les élites, évidemment, en profitent. Mais réciproquement, dans la mesure où les élites affichent leur irresponsabilité, elles cultivent l'irresponsabilité de la population. J'ai été effaré à l'époque du sida-ton. Vous savez, la nuit du sida, où toutes les élites se présentaient à l'écran pour dire « faites attention aux Français qui n'avaient pas l'air de savoir qu'il faut faire attention », j'ai été absolument sidéré par le fait que les élites n'avouaient pas leurs propres faiblesses. Le ministère n'a jamais dit qu'il a lui-même trempé dans des négligences coupables. Les scientifiques n'ont pas dit que d'ici l'an 2000, ils ne trouveraient pas le vaccin selon toute probabilité, etc. L'aveu d'impuissance, l'aveu de faillibilité n'a jamais été fait, ce qui implique que le collégien qui doit prendre des précautions lors d'une nuit qui est sa première nuit d'amour et qui le panique évidemment de toute façon, n'est pas encouragé à prendre ses responsabilités, puisqu'il voit les ministres, puisqu'il voit les grands médecins, puisqu'il voit les grands scientifiques qui n'avouent même pas leur absence, leur faute, leur faiblesse. Pourquoi lui se préoccuperait-il de sa faiblesse dans une nuit qui est tellement, tellement dramatique pour lui ? Oui, d'ailleurs, vous fustigez au passage très, très sévèrement et avec une analyse très, très fouillée la campagne pour le préservatif en disant qu'elle est totalement insuffisante, qu'elle méconnaît
justement les mécanismes de la relation amoureuse et qu'elle pointe aussi chez tout le monde, chez tous, cette notion d'irresponsabilité. Oui, et si vous voulez, ce qui me frappe, c'est l'aspect inculte de la chose. Bien sûr, c'est très bien d'utiliser un préservatif, mais pourquoi ne pas dire que c'est non seulement très bien, très utile, nécessaire, mais aussi très difficile. On explique que, bon, il suffit de prendre un préservatif, comme il faut boucler sa ceinture... Mécanique. Oui, sa ceinture de sécurité en prenant le volant, ou comme une femme prend des pilules pour ne pas être enceinte. Or, ce n'est pas du tout le même problème. Lorsque vous utilisez un préservatif, vous évoquez des choses qui ne sont pas particulièrement plaisantes. D'une part, la possibilité de la maladie, le risque d'une mort, enfin d'une vie brisée, oui. Puis aussi la possibilité du mensonge de l'autre par rapport à soi. Oh, mais c'est pas la peine, moi je suis pur, etc. Mensonge de l'autre et mensonge par rapport à soi-même, mensonge qu'on peut se faire à soi-même, inattention, irresponsabilité passée. Donc, vous êtes tout à coup plongé dans un univers qui est exactement le contraire de l'univers du coup de foudre, de la confiance, du premier amour, comme on dit, de l'amour qu'Edgar, de l'amour naïf, de l'amour sentiment sans critique. Donc, vous êtes en contradiction, disons, avec votre pulsion immédiate. Et ne pas dire qu'il y a contradiction. Dire « mais c'est tout simple, c'est comme quand on boucle sa ceinture », c'est probablement rendre l'usage du préservatif beaucoup plus difficile encore qu'on ne le suppose. Parce qu'alors du coup, chacun, le collégien, se sent coupable de ne pas trouver si facile l'usage du préservatif, si facile qu'on le dit sur les images publicitaires. Et on s'aperçoit que même ceux qui en usent, même ceux qui ont milité pour en user, comme les homosexuels de San Francisco, à un certain moment se relâchent parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le supposait. Donc il faut regarder la difficulté en face. Il faut voir qu'il y a là une sorte de révolution dans la vie amoureuse. Et de penser que c'est un pur problème technique et que la seule question qui subsiste, c'est l'imperméabilité du préservatif, je trouve que c'est une folie d'inculte. Et les publicitaires sont souvent incultes, mais que les ministres le soient aussi, c'est déjà plus grave, et que les sociologues le soient encore, ça devient complètement catastrophique. Quel est le problème culturel? Je ne pense pas qu'il soit insoluble. On a tort de le mettre sous la table en supposant qu'il est trop grave pour être évoqué. Après tout, avant même que le sida ne fasse son apparition, lorsqu'un collégien ou un lecteur qui n'a pas eu le loisir de faire des études, mais qui va à la bibliothèque municipale, tout en étant ouvrier, paysan ou agent des PTT. Lorsqu'il lit Anna Karénine, lorsqu'elle lit Emma Bovary, lorsqu'eux lisent Tristan et Iseut, dans une version ancienne, dans une version nouvelle, ou qu'il voit à l'opéra, ou qu'il voit au théâtre des choses pareilles, il voit toujours des histoires d'amour dramatiques. Ils le voient, ils le lisent, ils l'entendent, ils le réfléchissent. Ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils n'ont peut-être pas encore leur première histoire d'amour, ou ils vont l'avoir, ou ils l'ont eue, mais ils en ont une seconde. Donc ils savent déjà, au départ, beaucoup plus que ne le savait l'héroïne Madame Bovary, ou l'héroïne Anna Karénine. Anna Karénine et Emma Bovary partent d'une naïveté pour aboutir à des expériences qui leur enseignent la difficulté d'avoir une relation amoureuse. Au départ de ces histoires, il y a la confiance. À la fin, il y a le doute, la difficulté, la solitude. Eh bien, mais pour un lecteur, bien avant le sida, pour un lecteur qui connaît la fin de l'histoire, puisqu'il l'a lu jusqu'au bout, lorsqu'il commence, lui, sa propre histoire d'amour réelle, conjugal ou pas conjugal, eh bien, il sait que ça peut se terminer mal puisqu'il l'a lu et qu'il s'est identifié à Anna Karénine, Emma Bovary, etc. Donc, lui sait déjà, dans la mesure où il s'est cultivé, qu'une histoire d'amour n'est pas aussi facile, oui, ne va pas de soi. Donc,
le sida, la nécessité d'utiliser un préservatif, la nécessité de discuter, d'être franc, ouvert, d'essayer de voir clair dans ce qui se passe, dans ce qui s'est passé, dans ce qui se passera, au risque même de se méfier l'un de l'autre. Cette nécessité-là, elle ne date pas du sida. Elle date de la lecture de Tristan et Iseult, où filtre d'amour et filtre de mort sont mélangés bien avant l'invention du sida. Donc cette idée de l'ambiguïté des rapports humains, du risque inhérent à tout couple, quel que soit ce couple, cette idée-là, elle est développée par la culture occidentale. Ce qui est frappant dans votre œuvre et par rapport au sida, c'est que vous faites très peu allusion à la psychanalyse. Et pourtant là, le nom de Freud réapparaît. Et il réapparaît, vous dites, j'aurais bien aimé rencontrer Freud pour discuter avec lui, pour m'expliquer avec lui. Alors j'avais envie de vous demander, pour vous expliquer sur quoi ? Parce qu'au fond, peut-être qu'il y a une dimension qui manque dans ce que vous dites. Peut-être que dans notre comportement amoureux, il y a toujours eu une fascination pour la mort. Et c'est ce qui expliquerait une autre difficulté face au sida. Oui, l'aspect fascination de la mort et l'aspect suicidaire que peuvent avoir, par exemple, les nuits fauves, non seulement je le mentionne, mais je m'étends dessus en traitant de l'exemple du cynisme et de Diogène, de cette assomption de soi, de ce cogito cynique qui aboutit à identifier le moment de vivre et le moment de mourir dans cet acte suprême du cynique qui est de se suicider en retenant sa respiration. Je crois que dans les nuits fauves de Collard, il y a quelque chose de semblable. Simplement, je dirais que je ne donne pas une explication psy de cette pulsion de mort, mais plutôt une explication phi ou une explication culturelle. Et je crois que pour Freud, il est très important et il est très intéressant chaque fois qu'il donne une explication philosophique et culturelle de ce qui se passe dans l'âme humaine. Par contre, je suis assez rétif à l'explication psy des attitudes culturelles. Il y a une sorte de suffisance du psychologue qui finalement devient inculte à force de répéter des catégories freudiennes qu'il applique à tort et à travers. Oui, vous dites également que cette maladie, le sida, au fond, teste en nous nos capacités à résister. Et vous vous interrogez sur le fait que nous avons du mal à résister aujourd'hui, dans tous les sens du terme. Oui, philosopher, c'est apprendre à mourir, vous savez, c'est une... À voix nue. Aujourd'hui, André Glucksmann s'entretient avec Marie-Christine Navarro. Cinquième et dernier entretien. André Glucksmann, dans votre dernier livre, De Gaulle, où es-tu ? Lorsque vous parlez de la situation et la position de De Gaulle, en particulier au moment de l'appel du 18 juin, De Gaulle en temps de guerre, De Gaulle en temps de crise, De Gaulle face au chaos, face au gouffre, vous opposez l'attitude de De Gaulle à celle de Braudel et vous réglez son compte au groupe des Annales. Alors j'aimerais que vous expliquiez là-dessus. Ah, c'est plus qu'un groupe. Les Annales, c'est école, le fleuron de l'intelligence française, la seule école de pensée qui, en tant qu'école, est reconnue à l'étranger et a d'autre part formé des générations de jeunes Français, puisqu'elle a défini le programme d'histoire dans les écoles. Et que la France apprend à penser à travers sa propre histoire. Donc c'est très important, l'école des Annales. À mon avis, c'est au XXe siècle l'idéologie dominante, et en cela, elle prend le relais
de l'idéologie du XIXe siècle, et la plupart des idéologues du XIXe siècle croient que nous allons entrer dans une ère de paix, y compris des gens comme Marx, qui ne paraît pas si peu violent que ça. Il dit la violence est la coucheuse de toute société angésine, n'est-ce pas ? Mais il pensait que Napoléon, c'était un homme du passé, que les sociétés européennes étaient condamnées à vivre en paix parce qu'elles étaient condamnées à commercer et que le commerce l'emportait sur la guerre. C'est une opinion que n'avaient pas seulement les libéraux, qu'avait l'ensemble des socialistes, en particulier Saint-Simon, le père du socialisme français, et d'ailleurs le père aussi du manifeste communiste de Marx, puisqu'il a été quasiment copié sur un manifeste saint-simonien, en partie. Et d'autre part, même Proudhon, qui a insisté sur l'importance de la guerre dans l'histoire humaine, pensait que la guerre devenait tellement terrible qu'elle cessait parce qu'elle devenait folle, inutile et peu profitable même pour le vainqueur. Même Wells, qui était un esprit d'anticipation, qui a écrit des romans fascinants, pensait lui aussi que la guerre devenait tellement moderne, tellement terrible, tellement dévastatrice, qu'elle devait cesser faute d'intérêt pour les combattants. Et cette idée que la paix nous était promise par une sorte de ruse de la raison guerrière, parce que la guerre devenant terrible s'abolissait d'elle-même, c'est pas la dissuasion, c'est la ruse de la raison. Cette idée-là a été reprise par l'école des Annales sous une forme beaucoup plus savante, beaucoup plus précise, et sur le fond de l'immense désespoir provoqué par la guerre de 14. Quand l'école des Annales, après la guerre de 14-18, après ce gigantesque bain de sang qui a coûté plus à la France que toutes les guerres précédentes, mise ensemble à travers les siècles, sur fond de ce désespoir, la formule de l'école des Annales, c'est « fini l'histoire des grandes guerres, des grandes batailles et des grands hommes ». Et cette formule-là, qui sert de motif, de leitmotiv épistémologique à toute l'école, est extrêmement intéressante pour un ancien combattant. Il en avait tellement assez d'anciens combattants de sa guerre de 14-18. Mais elle est aussi très inquiétante pour l'avenir. Et le père, un des deux pères de l'école des Annales, Marc Bloch, lorsqu'il commentera la défaite de juin 40, se découvrira à lui et à son école des responsabilités. Des responsabilités justement dans le désarmement des jeunes générations devant le danger de guerre, à partir de l'idée cultivée par l'école des Annales que, au fond, la guerre, c'est une affaire de conjoncture. Bien sûr, elles existent, mais elles ne sont pas essentielles. Elles ne sont pas essentielles. Elles sont la surface des choses, l'écume, la profondeur, le long terme. C'est la civilisation matérielle, comme dit Braudel. C'est la vie économique et la modification lente des mœurs. Eh bien, ce qu'apporte De Gaulle comme réflexion, et c'est pour cela qu'il est rejeté d'ailleurs, c'est l'idée que les manières de se battre ne sont pas moins à long terme, ne sont pas moins profondes que les manières de lit et que les manières de table. Alors précisément, puisqu'on est dans ce contexte de guerre, vous avez aussi réfléchi beaucoup sur quelque chose qui est fort à la mode depuis quelques années et qui tient lieu d'ailleurs de politique, c'est l'aide humanitaire. L'aide humanitaire dont vous avez beaucoup parlé dans le livre « Silence, on tue », écrit avec Thierry Volton en 86, aide humanitaire où vous racontez vos voyages, en particulier le voyage en Somalie, on y reviendra, où vous faites une analyse aussi de la famine en Éthiopie, au Cambodge, et aussi où vous remettez à l'ordre du jour une image qu'on avait un peu oubliée, qui est très importante et qui fait date pour tout le monde et pour vous en particulier. Cette image où vous aviez réussi à réconcilier les deux vieux ennemis Sartre et Aron lors des Boat People en 1979. Oui, pour moi, ça a été assez important. Je connaissais amicalement Sartre et aussi amicalement et quasi professionnellement Aron. Le fait d'être le go-between
Je ne suis pas permis leur réconciliation. Ils avaient envie de se réconcilier, donc c'était très bien. Il a fait le messager. C'était l'occasion qui a fait les larrons. Mais ce qui était la vraie occasion, c'était les gens qui se noyaient. Et l'idée, au fond, assez simple, mais qui a mis fin à la guerre froide idéologique que ces deux vieux amis se menaient, et à travers eux que se menait l'ensemble de l'intelligentsia française, la guerre idéologique des pro-américains et des pro-russes, la guerre des deux blocs, en quelque sorte. Et cette fin était très importante pour l'intelligence française, parce que c'était la chute du mur, 20 ans avant la chute du mur. C'est important. Enfin, 15 ans. Et parce qu'elle avait été précédée par toute la discussion autour de Solzhenitsyn, des camps de concentration russes. Pourquoi être contre les camps nazis si on n'acceptait pas de se dresser aussi contre les camps russes, etc. Cette idée qu'au fond, un cadavre est un cadavre, qu'un camp est un camp, quel que soit le drapeau qu'il y a au sommet du camp, que d'ailleurs les procédures sont assez analogues, le thème du travail qui rend libre, ironiquement étalé à l'entrée d'Auschwitz, Arbeit macht frei, c'était le même thème de l'émulation socialiste que décrit d'ailleurs Solzhenitsyn dans Ivan Denisovitch. Donc, mais en fait, même il y a camp d'extermination d'un côté, camp de concentration de l'autre. Oui, mais là-dessus, on a évidemment discuté. Il y a différentes formes de barbarie, mais fondamentalement, l'idée qu'il fallait juger les régimes à partir de ceux que ces régimes torturent, font souffrir et exécutent, c'est une idée qui est apparue comme la clé qui mettait fin à la guerre froide idéologique. En gros, les boat people se noyaient, il fallait leur tendre la main, et peu importe nos opinions, devant cette urgence, cette nécessité. Et aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, c'est à mon avis. Non, c'est à mon avis le seul ordre du monde pensable. Le nouvel ordre mondial de Bush, c'était un ordre éminemment optimiste et par conséquent complètement irréaliste. Ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est pas nous entendre sur une idée de la société, une idée du bon Dieu. Si même prenez l'Europe qui pourtant à une communauté culturelle. Vous ne pouvez pas savoir si elle va s'unifier autour du Dieu des protestants, du Dieu des catholiques, de l'absence de Dieu des laïcs, ou des musulmans, des juifs, ou bien encore des opinions de droite, des opinions de gauche, et puis au fond lesquelles, entre la gauche, il y a différentes opinions, et chez les droites aussi. Donc, finalement, sur quoi s'unifie-t-on ? Aujourd'hui, au XXe siècle, non pas sur une table des valeurs, non pas sur une idée du bien et un souverain bien, non pas sur une conception unique de l'ordre du monde, du cosmos, du bon cosmos, de l'égalité géométrique, comme dit Platon, du bien, du beau, du vrai. Non, là-dessus, il y a relativisme, il y a diversité, il y a pluralisme. Et il y a pluralisme depuis très longtemps. Plutarque dit nous recensons 180 souverains biens. Et Pascal le cite, il dit erreur au-delà des Pyrénées, vérité en deçà. Bon, il n'y a pas moyen de s'unir sur une conception positive de comment doit être définitivement réglés les rapports de sexe, les rapports de classe, etc. Par contre, ce sur quoi on peut s'unir, c'est pas sur le bien, mais contre le mal. Car il y a une expérience générale des maux, des maladies politiques et physiques dues au XXe siècle. Nous savons que nous habitions en Chine, en Europe ou en Amérique du Sud, qu'un camp de concentration est un camp de concentration, qu'un tortionnaire est un tortionnaire, qu'il soit policier ou voyou ou commissaire politique de droite ou commissaire politique de gauche, l'homme qui torture, torture. Et le torturé souffre.
Pourtant, dans ce livre, vous montrez bien toutes les ambiguïtés de l'aide humanitaire, toute la désinformation, la façon dont l'image de télévision provoque l'émotion et non pas la réflexion. Vous montrez bien toute la nébuleuse qu'il y a autour de l'aide humanitaire qui ne va pas de soi. Alors, rien ne va de soi. La perception du mal et la lutte contre le mal est l'activité la plus difficile qui soit, mais c'est la seule qui s'ouvre comme perspective à l'humanité au XXIe siècle si elle veut survivre. Bien entendu, c'est très difficile. Tous nos crimes, comme dit Solzhenitsyn, sont des crimes d'amour. C'est parce que nous aimons que nous tuons. C'est pour leur bien que nous faisons du mal aux autres. Et c'est pour leur bien que nous leur mentons. C'est bien sûr pour le bien des prolétaires que les intellectuels français se sont tus devant les crimes de Staline. C'est pour ne pas désespérer Billancourt. C'est avec les meilleures intentions du monde. Et c'est toujours avec les meilleures intentions du monde que 45 organisations humanitaires en Éthiopie, sur 46, n'ont rien dit, n'ont pas bronché, ont cédé devant le chantage d'un dictateur communiste absolument cinglé, enfin, en tout cas, d'une sauvagerie, d'une inculture effarante, Mengistu, lorsque celui-ci leur a dit « ou bien vous vous taisez et vous ne dénoncez pas mes crimes, ou bien vous partez ». Alors, il y a un intérêt idéologique, il y a un intérêt matériel qui font que 45 organisations sur 46 décident de se taire, de laisser massacrer les gens et de continuer à aider à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie. Mais il y a quand même eu une organisation, la française, Médecins sans frontières, Médecins du Monde était en face, en Érythrée, donc ils n'étaient pas engagés, mais une organisation qui a protesté. Et elle a sauvé par sa protestation beaucoup de gens, puisque sa protestation a eu suffisamment d'effet sur les gouvernements occidentaux pour qu'ils forcent Mengistu à abandonner la plupart de ces méthodes exterminatrices. En particulier, ils prenaient des gens qui venaient d'être retapés par les organisations humanitaires et les expédiaient au milieu du désert, à 1000 km de là, dans des avions non pressurisés. Et surtout, ils les larguaient en plein désert en leur disant « Maintenant, construisez à partir de vos propres forces, les pauvres, ils n'en avaient plus de force. » À partir de vos propres forces, construisez ces agrovilles socialistes qui permettront de collectiviser nos campagnes. C'est-à-dire que aider, c'est d'abord parler. Oui, et c'est ça qui me séduit et qui me frappe dans l'humanitaire, c'est que c'est une réflexion sur l'aide humanitaire. L'aide humanitaire ne va pas de soi. Elle a commencé par la contemplation des désastres des batailles, mais ces efforts ne se sont pas avérés suffisants. Pourquoi ? On a vu, par exemple, la Croix-Rouge se taire au sujet des camps d'extermination nazis, apporter des petits paquets, et pour pouvoir continuer à apporter des petits paquets, ne pas prévenir les populations qu'elles étaient massacrées. Donc l'idée qu'il faut parler, c'est une réflexion des humanitaires contre les erreurs des humanitaires. C'est Kouchner et quelques autres médecins français qui, à l'occasion de la famine et de la famine provoquée, de la famine programmée au Biafra en 1969, provoqué par le pouvoir nigérien, et dans le silence total des grandes puissances et des grandes autorités morales, se sont mis à hurler parce qu'ils ont dit « Les Biafrais ne peuvent pas protester, ils crèvent. Nous avons pas seulement à leur apporter des médicaments et les derniers soins, mais à parler à leur place, puisque précisément leur gorge est tranchée avant qu'ils ne puissent parler. » Et l'aide humanitaire sert souvent de caution au manque de courage du politique, vous le savez bien. Oui, mais alors là, il faut accuser le politique et pas l'humanitaire. Ce que font les humanitaires, c'est d'avertir. Et je trouve que dans les campagnes contre les humanitaires, il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie de la part à la fois des politiques et des intellectuels qui en font moins, qui se rendent compte plus tard que les humanitaires de ce qui se passe. Et je crois que le tort des intellectuels, c'est de demander aux humanitaires de faire le travail que eux, intellectuels, auraient dû faire depuis longtemps. Alors justement, parlons-en de ce travail d'intellectuel. Vous diriez aujourd'hui que André Glucksmann est aussi un témoin, vous avez prononcé ce nom-là, mais est-ce qu'il n'y a pas à la fois un danger et une limite d'être un intellectuel qui ne s'autorise que de son nom, au fond ? Est-ce que ce n'est pas le drame des intellectuels d'aujourd'hui ? Tout à l'heure, on a parlé d'Aron et de Sartre. Lorsque Sartre et Aron
faisait une action, bien sûr c'est parce qu'il s'agissait de Jean-Paul Sartre, mais il avait une capacité de rassembler autour d'eux un mouvement général d'indignation qui était relayé par des manifestations de rue, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'intellectuel que vous êtes, le philosophe, le penseur, le témoin, a encore cette capacité de rassembler autour de lui autre chose que simplement un cri solitaire ? Écoutez, je crois qu'il y a là une erreur rétrospective. Les cris sont toujours au départ solitaires. L'affaire Dreyfus a rassemblé des masses dans les rues, mais au départ, c'était un cri solitaire de quelques individus en marge de la gauche et en marge de la droite. Prenez la protestation des intellectuels contre la guerre d'Algérie. On dit c'était Sartre, il avait une influence fantastique. C'était quoi l'influence ? C'était l'appel des 121. 121 intellectuels. Alors qu'il y a 500 000 soldats français en Algérie et que l'université ne comptait pas encore 1,5 million d'enseignants, mais on devait bien compter 500 000. Qu'il n'y ait que des individus au départ, c'est normal, c'est la règle, ça vaut pour le général de Gaulle comme ça vaut pour le plus humble des intellectuels et pour le plus humble des piliers de bistrot. Dans un bistrot, le premier qui l'ouvre prend des risques et puis de toute façon, s'il a raison trop tôt, il a encore tort. Vous voyez aujourd'hui que vous vous êtes démarqué très vite du mouvement qu'on avait appelé en son temps les nouveaux philosophes. Oui, vous savez que ça a été appelé comme ça d'ailleurs essentiellement par ceux qui étaient contre, qui considéraient que c'était un crime, que de mettre en question l'impunité dont bénéficiaient et le communisme soviétique et le marxisme, qui malgré tout servait de couverture à des tortionnaires et à des massacreurs, en appelant l'attention sur les camps de concentration, la barbarie, le désastre économique, écologique et moral que représentait l'Union soviétique et que tout le monde a pu voir 20 ans après. Oui, mais vous n'êtes pas d'accord, par exemple, avec Bernard-Henri Lévy lorsqu'il dit l'intellectuel est intercesseur du bien. Je ne pense pas que l'intellectuel soit un panneau indicateur. Je n'ai jamais été courtisan. Je n'ai pas appelé à voter François Mitterrand en 81 parce que je n'avais pas une confiance extraordinaire dans son programme. Je n'ai pas appelé à voter François Mitterrand en 88. Et je n'ai pas eu ce slogan qui est quand même, à mon avis, pas particulièrement bien trouvé, « Tonton, laisse pas béton ». Ça ne me paraît pas le suprême esprit. Donc je pense que les intellectuels doivent poser des questions. S'ils obtiennent des réponses et si ces réponses sont satisfaisantes, il faut qu'ils prennent parti, bien sûr. S'ils n'obtiennent pas de réponse, ils sont dans l'embarras. Bien sûr, parce qu'il faut s'engager et qu'il faut s'engager pour des gens qui ne s'engagent pas, pour des candidats qui ne s'engagent pas. Donc là, est-ce que vous avez le pouvoir de dire aux autres ce qu'il faut faire alors que vous ne savez pas ce que le candidat veut faire ? Ou bien est-ce que vous vous retirez dans le secret de l'isoloir et vous prenez vos risques sans les imposer aux autres ? Ça, c'est libre. Mais servir de poteau indicateur, d'homme sandwich, d'agent publicitaire à un parti, ça, je pense que c'est le déshonneur des intellectuels. Oui, et donc, lorsque vous dites qu'il est dangereux de penser que l'intellectuel est intercesseur d'un bien ou du bien, vous dites dans la même foulée qu'au fond, il faut avoir l'audace de ne pas penser bien. Ça, c'est votre position. Et avoir l'audace de ne pas penser bien, entre guillemets, c'est se donner une chance de pouvoir penser du mal, au fond. Voilà, exactement. Et la formule est très belle. C'est penser contre le mal. Et pour penser contre le mal, il ne faut pas avoir les yeux embués par des illusions aussi souriantes, aussi favorables, aussi bienfaisantes soient-elles. Mais penser contre le mal, ça peut se faire à plusieurs, à condition qu'on se mette d'accord sur la question que pose le mal et sur les méthodes probables, c'est jamais, nous ne vivons pas dans la certitude mathématique, mais les méthodes probables pour contenir les maux, pour essayer de barricader les portes de l'enfer. L'humanité ne peut s'entendre au XXIe siècle qu'en barricadant les portes de l'enfer, pas en ouvrant celles du paradis, parce qu'en général, ouvrir les portes du paradis, c'est commencer les égorgements. Et chez vous, vous diriez que cette figure de penseur que vous êtes, de philosophe, qui pense au bord du gouffre, face au désastre, puisque c'est véritablement
la situation de cette fin de siècle. C'est la figure de El Desdichado de Nerval, c'est la figure de l'inconsolé, de celui qui n'a pas envie d'être consolé. Oui, je crois que la grande découverte des romantiques, c'est intitulé comme tel, c'est la redécouverte de quelque chose que les classiques savaient, à savoir qu'il y a du noir dans l'âme humaine, qu'il y a un noir très profond, mais qu'on peut le regarder. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ça, c'est Nerval, mais c'est aussi finalement l'expérience du XXe siècle, dans la mesure où le XXe siècle nous place en face de l'inconsolable, mais comme Auschwitz, comme la Colima, mais comme aussi comme Verdun, comme Hiroshima, ou comme l'affaire du sida, nous place en face de l'inconsolable, mais nous montre capable de considérer cet inconsolable en face, et finalement d'essayer de résister. Vous savez, les Allemands, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'ont pas admis leur défaite. Ils ont constitué des corps francs, et tout de suite, les anciens combattants de la guerre 14-18 ont continué à combattre dans la Baltique, etc. C'était en gros le terreau des services d'ordre hitlériens plus tard. Ernst von Salomon a raconté cette histoire. Après 1945, il n'y a rien eu de semblable. Et étrangement, le même écrivain, Ernst von Salomon, explique assez bien pourquoi, dans un livre qui s'appelle Le Questionnaire, il explique que les Allemands ont été mis en face de ce qu'ils avaient fait. On leur a fait visiter les camps de concentration, on leur a montré les amas de cadavres au cinéma. C'était la méthode américaine. Je ne sais pas si elle était réfléchie, elle était spontanée. Les Américains sont des gens de l'image. Et puis, ils ont une franchise, une immédiateté que quelquefois les Européens feraient bien de leur emprunter. En tout cas, ça a été décisif. On dit, certains psychanalystes, Misternich, a dit, il y a là, chez les Allemands, une incapacité du deuil. Le travail du deuil, ils ne l'ont pas fait, ils ont fui dans l'économique tellement l'idée de ce qui s'était passé leur était insupportable. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ils ont fui, les Allemands, l'insupportable, l'inconsolable de leur propre action, Auschwitz. Ça les a rendus plus pacifiques, ça leur a épargné l'idée d'aller lutter contre les troupes alliées qui occupaient leur pays, à la différence de la suite de 14-18. Ça les a rendus, certes, complètement favorables aux marques qui devenaient leur seul drapeau et à la reconstruction économique dans laquelle ils ont investi des énergies qu'auparavant ils investissaient dans des occupations plus sanglantes. Mais est-ce qu'il faut prendre cela comme une sorte de faiblesse, comme le font les psychanalystes, en disant « ce travail de deuil n'a pas été achevé ». Je crois que là, il y a une illusion psy parfaitement fausse. C'est-à-dire ? Eh bien, ce travail du deuil, c'est précisément parce qu'il ne peut pas être fait qu'il doit être pris au sérieux et qu'il est fondamental. C'est parce que les Allemands doivent rester inconsolables d'Auschwitz, qu'ils peuvent devenir démocrates. Donc, cette perception des malheurs comme, au fond, non effaçable, c'est très positif. C'est le fondement de l'éthique. Dans votre dernier livre, De Gaulle, où es-tu ? Il y a deux mentions extrêmement discrètes d'une subjectivité qui se dérobe toujours dans vos livres. Deux petites indications discrètes. L'une, on en a parlé, qui est assez bouleversante, ce petit garçon de 5 ans qui est dans un camp et qui échappe de justesse à un autre camp qui aurait été celui du camp d'extermination. Et puis, une phrase très discrète en début de livre, je crois même que je ne sais pas si c'est dans la préface, en tout cas où vous dites « moi qui m'apprête discrètement à quitter cette vie ». Oui, écoutez, ça, c'est « tous les hommes sont mortels », c'est une vérité. Qui paraît de la panisse et qui, en fait, est assez fondamental. Montaigne distingue deux Socrates, le Socrate de l'apologie, le Socrate qui sait qu'il va mourir et qui en fait un savoir qui illumine toute sa vie,
et d'autre part un Socrate qui se croit éternel et que Montaigne rejette. Bon, je ne me crois pas éternel, en cela je suis peut-être philosophe, mais comme beaucoup. Et d'autre part, pour ce qui est de parler de moi, ce n'est pas vraiment par pudeur ou par modestie, c'est disons par amour de Proust. Je trouve que le seul écrivain qui ait vraiment réussi à parler de lui, c'est Proust, mais il a consacré sa vie à cette œuvre, La recherche des temps perdus, et je n'ai pas consacré ma vie à cela. Je trouve que ne pouvant pas parler de moi comme Proust parle de lui, pas seulement avec une question de talent, mais avec une question de vérité. Je sais moins bien ce qui se passe en moi que Proust n'a dévoilé ce qui se passe en lui.